Je te marie pas. Tu veux te jouer au pasteur? Oui. Tu veux te jouer dans la plus belle? La belle. Mais si tu mets ton copinage. Mais si tu mets c'est ça. C'est là que tu vas comprendre. Si tu mets dans ta séduction. Si tu mets ça, tu verras pas la gloire de Dieu. Pardon, ramène-moi en arrière. Vas-y. Je vais te demander à ceux qui prêchaient la dernière fois. Vraiment de venir encore me parler de ta parole. Parce que je ne savais pas. Tu t'assois, tu consommes l'alcool. Oui, toi, c'est l'alcool qui est ton travail. Quand tu te réveilles matin, c'est fumé seulement. Bien aimé, on ne te condamne pas. Non, tu n'es jamais condamné. Tu es devenu tout. Comment tu aimes le belet? Tu te lèves, oui. Tu prends le belet. On ne te condamne pas. C'est ça, tu prends pour te réveiller même. Je sais qu'en réalité, tu veux laisser ces gens les choses. Oui. En réalité, dans ton fond intérieur, tu vas arrêter l'alcool, la cigarette. Tu vas arrêter. Mais appelle le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est le seul. La volonté seulement ne compte pas. Jamais. La volonté, c'est toi. Oui. Mais le Seigneur Jésus-Christ te suit. Il est là. C'est celui-là qui te libère. Jésus. C'est celui-là qui te libère. Jésus seul. Bien-aimé, reviens au Seigneur Jésus-Christ. Reviens à ton premier amour. Il t'aime. Le Seigneur t'aime tant. Il y a des personnes qui t'aiment pas. Jésus t'aime trop. Des personnes invisibles. Oui. Dans le spirituel. Dans le secret. Ils veulent ta mort. Ils veulent te détruire. Ils veulent te détruire. Ils veulent te garder dans l'alcool. Ils te font ignorer les choses. Ils veulent te garder dans la cigarette. Ils veulent te maintenir dedans. Ils veulent te maintenir dans le copinage. Bien-aimé, reviens au Seigneur Jésus-Christ. Reviens à ton Seigneur. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Reviens à Jésus. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Reviens à Jésus. Reviens au Seigneur Jésus-Christ encore. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance, mon frère. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance, ma soeur. Reviens à Jésus. Le plus important, c'est d'avoir son âme sauvée. Le plus important, c'est d'avoir la vie sauve. Vérité. Le plus important, ce n'est pas les choses de la terre. Jamais. Le plus important, ce n'est pas les choses du bas. Jamais. Il dit dans sa parole. Vas-y, mon frère. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Matthieu 6, verset 33. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Là, c'est que tu cours après, là. Ça va venir après. Ça va venir après. Le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande. De chercher premièrement le royaume des cieux. Et sa justice. Mais ton frère, tu as laissé tout ça. C'est Marie qui t'intéresse. C'est l'argent qui t'intéresse. Tout ce que tu cherches, c'est l'argent. Tu as oublié même la parole de Dieu. Mon frère, sache une chose. L'argent n'est pas mauvais. Mais l'argent ne peut pas te sauver. L'argent ne te garantit pas ton salut. Depuis 5 heures du matin, tu es assis là, tu cherches l'argent. Mais est-ce que tu t'es une fois posé la question? Si je meurs en cherchant l'argent là, où ira mon âme? C'est la question qu'on doit se poser chacun d'entre nous. Toi-même, tu sais en âme et conscience que tu es un voyageur sur la terre. Tu vois les autres, ils viennent, ils vont. Ils viennent, ils vont. Mais toi, ta vie là, c'est basé sur l'argent. Après que toi, tu as refusé de d'éduquer tes enfants. Quand tu te réveilles, c'est l'argent. Quand tu tiens, c'est l'argent. Quand tu marches, c'est l'argent. Tout est l'argent chez toi. Mais pose-toi la question. Est-ce que quand tu seras gravement malade là, c'est l'argent qui va te transporter pour aller à l'hôpital? Il est bon d'avoir l'argent, oui. L'argent règle tout. Mais l'argent ne donne pas le salut. Vérité. Bien-aimé, ne te laisse pas entraîner par l'argent. Ne te laisse pas entraîner par l'argent. L'amour de l'argent est le problème de tout. De tout. Si tu aimes l'argent, Dieu te compare à un cupide. Or, les cupides n'hériteront jamais le royaume des cieux. Donc si toi, ta vie est basée sur l'argent, et que tu meurs, mon frère, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Je te demande pardon. Revois tes voies. Revois tes voies. Revois ce que tu es en train de faire. Revois tes voies, bien sûr. Il ne s'agit pas de courir derrière l'argent. Mais la parole de Dieu est claire. Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Il n'a pas dit premièrement l'argent. Il n'a pas dit premièrement mon travail. Il n'a pas dit premièrement mon mariage. Il n'a pas dit premièrement l'élévation. Mais il a dit le royaume des cieux et sa justice. Ma soeur, mon frère. Est-ce que quand tu te réveilles chaque matin, tu penses à chercher le royaume des cieux et sa justice? Parce que c'est ce royaume-là qui va t'accueillir après ta mort. Vérité.
Mais l'argent que tu coûtes derrière là ne te garantit pas le salut. Le mariage que tu coûtes derrière à longueur de journée là ne te donne pas le royaume de Dieu. Paradis que tu cherches là, ce n'est pas mariage qui est le ticket d'entrée là-bas. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton élévation. Ce n'est pas ta promotion. C'est ton ticket pour aller au paradis. Pour aller au paradis, il faut garder le commandement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu crois en lui? Si tu crois en lui, Dieu merci. Mais il ne suffit pas seulement de croire en lui. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu peux chercher le royaume des cieux et sa justice. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton élévation. Ce n'est pas ta promotion. C'est ton ticket pour aller au paradis. Pour aller au paradis, il faut garder le commandement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, répète-toi. Répète-toi. Quand le Seigneur éclaircit sa parole, il dit de chercher premièrement son royaume. Et si tu passes ton temps à laisser son royaume à dernière position, mon frère, le jour du jugement, le Seigneur va te dire que tu seras en dernière position aussi. Il a dit, celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses enfants, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Mais toi, tu as laissé la parole de Dieu. Tu te dis, tu es enfant de Dieu. Mais tu ne t'intéresses même pas à la parole de Dieu. Lorsqu'un enfant dit, il est enfant de son père, il est fier de son père, il est tout en colère à son père, il veut faire comme son père, il veut marcher selon son père. Mais toi qui dis, tu es enfant de Dieu là, est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Ton Dieu, il a amour, c'est vrai. Mais c'est toi, on oublie aussi, la justice aussi est là. Il est un Dieu juge. Il juge parfaitement. Mais toi, tu passes ton temps à courir derrière les choses du monde. Ce que tes pères ont cherché, et eux nous ont conclu, tout est vanité. Mais toi, tu n'as pas pris conscience de cela. Et tu continues de courir derrière ces choses. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à la repentance. Le Seigneur ne te condamne pas. Mais il te demande de chercher d'abord lui en premier. Lorsque tu sors du lit, c'est le Seigneur d'abord. Quand tu arrives dans ton boulot, c'est lui d'abord. Quand tu finis de travailler, c'est lui d'abord. Lorsqu'on rentre à la maison, c'est lui d'abord. Il veut être le premier. Il veut être au centre de ta vie. Il ne veut pas être laissé. Lorsque tu as un problème, c'est là que toi tu connais le Seigneur. Lorsqu'il y a des difficultés, c'est là que toi tu connais le Seigneur. Mais quand il y a l'abondance, tu oublies le nom de Jésus. Bien-aimé, revois ce que tu es en train de faire. Parce que même si ton papa, tu ne l'appelles pas. Lorsque tu l'appelles, c'est quand tu as un problème. Le jour où tu auras un problème, quand tu vas l'appeler, il ne va pas venir intervenir. Même entre nous les hommes, même on voit cela. Entre nous les êtres humains, lorsque tu as un problème, tu appelles ton frère. Alors cousin, j'ai besoin d'argent. Cousin, j'ai besoin d'argent. Cousin, j'ai besoin d'argent. Un bon matin, quand tu vas l'appeler, il va dire, ah, je suis trop fatigué. Toi, toujours quand tu appelles, c'est l'argent. Dieu aussi fera la même chose. Parce que toi, tu passes ton temps à chercher ce que toi tu veux. Mais tu ne cherches même pas à faire la volonté de Dieu. Oh, le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 21, est clair là-dessus. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui vont dire dans leur bouche là, je connais Dieu. Oui, Seigneur. Oui, je suis là pour toi. Oui, moi, j'aime Dieu. Je marche avec Dieu. Je le vois tous les jours. Il vient dans mes songes. Ce n'est pas tous ceux-là qui vont dire ces choses-là. Ce n'est pas eux seulement qui vont arriver. C'est ce que tu es en train de faire. Mais c'est parce que même si tu ne peux pas, tu ne l'appelles pas. Mais il dit, c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. Est-ce que toi, tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que toi tu cherches à faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu cherches à faire la volonté de Dieu? Parce que la vie sur cette terre. Parce que la vie sur cette terre. Ne se résume pas. Ne se résume pas. À avoir des enfants. Avoir des enfants. Avoir des mariages. Avoir des mariages. Construire des immeubles. Construire des immeubles. Avoir des entreprises. Des entreprises. Non.
On est venu sur cette terre-là. Pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de garder ses commandements. C'est de garder ses commandements. Le Seigneur Jésus a été clair. Le Seigneur Jésus-Christ a été clair. Il dit, je m'en vais. Mais je vous laisse un commandement. Je vous laisse un commandement. Aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Mais bien aimé, regarde toi-même ta vie. Est-ce que tu aimes ton frère comme toi-même? Est-ce que tu aimes ta soeur comme toi-même? Question. Parce que si tu aimes ton frère, est-ce que tu vas le voir aller dans le feu? Tu vas dire, mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais toi, tu dis, chacun a sa vie. Chacun fait ce qu'il veut. Oh, toi, tu vois ton frère, voiture en train de venir. La voiture va cogner ton frère. Et tu dis, tu aimes ton frère. Bien aimé, est-ce que tu aimes ton frère? Parce que le Seigneur va se baser sur ça. En partant, je vous ai laissé un commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton frère comme toi-même? Parce que lorsqu'on aime son frère, on le vit du feu. Lorsqu'on aime son frère, on enlève son frère dans les ordures. Lorsqu'on aime son frère, on lui dit dans la relation avec toi, que tu es dedans là. Non seulement ça va te faner, et tu vas aller de l'autre côté. L'argent que tu coûtes derrière là, c'est bon. Mais l'argent là ne garantit pas ton salut. Lorsqu'on aime son frère, le paraboutage que tu vas là, c'est pas bon pour toi. C'est ce que tu dois lui dire. Ne lui dis pas seulement que non, tu vas son mariage. Ouais, frère, quand il est dormi, j'ai rêvé là. Je t'ai vu dans une grosse voiture. Ouais, tu sais que ton frère là est encore vieux. Tu sais que ton frère n'est pas tout son temps à boire. La boisson a transformé son visage. La boisson l'a transformé. Et tu sais qu'il court à la mort. Mais tu n'es pas capable de lui dire, frère, boisson là, c'est pas bon pour toi. Va arrêter. Et tu le regardes. Et après tu dis, non, toi tu aimes Dieu. Tu dis avant de l'aimer là, va aimer ton frère comme toi-même d'abord. Parce que si tu aimes ton frère, alors c'est lui que tu aimes. Si tu aimes ta soeur, alors c'est Dieu que tu aimes. Mais toi, tu n'aimes pas ton frère. Tu ne cherches pas à aimer ton frère. Tu ne cherches même pas à savoir si ton voisin qui est à côté de toi, il a mangé aujourd'hui. Si ton voisin qui est à côté de toi, est-ce qu'il va bien? Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est toi et toi et toi et toi et toi. Oh Dieu éclaire sa parole. C'est que tu veux que Dieu te donne. Comment ça fait ça pour tes frères et sœurs? Mais toi tu ne le fais pas. Toi c'est pour toi qui t'intéresse. Mais lorsque tu es dans la difficulté, ce sont tes frères que tu veux voir. Tu es là dans ce coup. Lorsque tu es malade, c'est que tu dis à ton fils, va appeler le voisin. Lorsque ta maison brûle, tu dis à ton fils, appelle le voisin, va éteindre le feu. Mais lorsque ta cuisine est remplie, ta maison est remplie, ton grenier est remplie, tu n'es jamais soucié, est-ce que mon voisin l'a mangé? Alléluia. Est-ce que mon voisin là, il va bien? C'est à toi seulement. Bien-aimé, où est l'amour que tu as pour ton prochain? Bien-aimé, où est l'amour que tu as pour ton prochain? Où est l'amour que Dieu dit de faire avec tes frères? Où est l'amour que tu as pour tes frères? L'amour que Dieu dit de pratiquer pour tes frères? Où est l'amour que Dieu dit de pratiquer pour tes frères? Où ça y est? Ton frère vient te voir et dit, mon frère, ça ne va pas à la maison. Il n'y a rien à manger. Voici mes enfants. Je ne demande pas quelque chose. Je ne veux pas l'argent. Mais tout ce que je veux, aide-moi à faire quelque chose pour nourrir mes enfants. Merci. Tu as la capacité de le faire. Tu as la capacité de le faire. Mais tu dis non. Mais tu dis non. Est-ce que le tonnerre gronde là? Oui, vas-y. Chacun grave sa tête. Chacun grave sa tête. Où est l'amour de Dieu dans tout ça? Où est l'amour de Dieu dans tout ça? Frère. L'argent ne peut pas te sauver. L'argent ne peut pas te sauver. Les biens matériels ne vont jamais te sauver. Les biens matériels ne peuvent pas te sauver. Mais c'est l'amour de Dieu qui peut te sauver. Mais c'est l'amour de Jésus qui peut te sauver. L'amour que tu vas pratiquer. L'amour que tu vas pratiquer. L'amour véritable. L'amour véritable. L'amour qui ne cherche pas son intérêt. L'amour qui ne cherche point son intérêt.
que je veux pour Yahoo, Yahoo doit faire. Eh oui, vas-y, frère. Bien-aimé, je t'en supplie. Bien-aimé, je t'en supplie. Aime ton frère comme Dieu t'a aimé. Aime ton frère comme Dieu t'a aimé. Dieu t'a tellement créé si bon. Dieu t'a tellement créé si bon. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Tellement. Oui, frère. Il envoie ses serviteurs. Il envoie ses serviteurs. Vous dites frère. Vous dites frère. Le copinage que tu es dedans. Le copinage dans lequel tu es. Copine avec lequel tu es. Quoi de sa gloire. Ce n'est pas dans sa gloire. Il dit de sortir de cela. Il te demande de sortir de cela. Copinage que t'as dit de pratiquer. Le copinage que tu pratiques. Concubinage là. Le concubinage dans lequel tu es. Tu vis actuellement. Dans lequel tu vis actuellement. On te dit c'est bon. Oui, vas-y frère. Mais Dieu te dit c'est pas bon. Mais le Seigneur te dit ce n'est pas bon. Il dit sort de là. Il te demande de sortir de là. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne réside pas dans le matériel. L'amour de Dieu ne réside pas dans le matériel. Bien-aimé, sors de cela. Bien-aimé, j'aimerais même te dire quelque chose. Vas-y, mon frère. Mais tu dis, vas-y. Notre Dieu que nous aimons est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Notre Dieu que nous aimons est un Dieu de bonté. Un Dieu de bonté. Notre Dieu que nous aimons est un Dieu de compassion. Notre Dieu que nous aimons est un Dieu de miséricorde. Un Dieu de miséricorde. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Vas-y, mon frère. Tout ce que tu dis, vas-y. Est vérité, est vérité. Est vérité, est vérité. Mais de la même manière que le Seigneur Jésus t'aime. Il t'aime vraiment. Est-ce que toi aussi tu l'aimes de cette même manière? Est-ce que tu l'aimes aussi? Tu dis que tu es un Dieu d'amour. Tu dis que tu es un Dieu d'amour. Mais est-ce que toi en retour tu prouves ton amour pour le Seigneur Jésus? Toi tu manifestes ton amour pour le Seigneur Jésus. Tu dis que le Seigneur est un Dieu d'amour. Tu dis que Jésus est un Dieu d'amour. Mais est-ce que toi tu manifestes ton amour pour Dieu? Est-ce que tu manifestes ton amour pour Dieu? J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Oui, mon frère. Dieu manifeste son amour. Vas-y. Pour les fils de Dieu. Pour les fils de Dieu. Dieu manifeste son amour. Dieu manifeste son amour. Pour les fils du royaume. Pour les fils du royaume. Dieu manifeste son amour. Dieu manifeste son amour. Pour ceux-là qui marchent conformément à sa parole. Pour ceux-là qui marchent selon sa parole. Dieu manifeste son amour. Dieu manifeste son amour. Pour ceux-là qui vivent conformément à la sainte doctrine. Pour ceux-là qui vivent conformément à la sainte doctrine. Dieu manifeste son amour. Dieu manifeste son amour. Pour ceux-là qui vivent conformément à la sainte doctrine. Pour ceux-là qui vivent conformément à la sainte doctrine. Mais pour ceux-là. Mais pour ceux-là qui sont les fils de la rébellion. Pour ceux qui sont les fils des fils de la rébellion. Mais pour ceux-là. Mais pour ceux-là qui marchent selon la voie de ce monde. Mais tu marches selon la mode. Mais pour ceux-là. Mais pour ceux-là qui marchent selon les principes Chanel. Qui marchent selon les principes Chanel. La Bible nous dit ceci. Vas-y. Non seulement vous devez conduire, vous devez considérer la bonté de Dieu. Amen. Cette bonté est pour les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Mais aussi la sévérité de Dieu. Mais pour la sévérité de Dieu. La sévérité de Dieu. La sévérité de Dieu. C'est pour cela. C'est pour cela qui se conforme. Qui se conforme aux voix de ce monde. Et c'est présent. J'aimerais te dire quelque chose ce soir. Vas-y, frère, dis-le. J'aimerais te dire quelque chose ce soir, ma soeur. J'aimerais te dire quelque chose, ma soeur. J'aimerais te dire quelque chose ce soir, mon frère. J'aimerais te dire quelque chose, mon frère. L'apôtre Paul disait ceci. L'apôtre Paul disait ceci. Lorsque j'annonce l'évangile. Lorsque j'annonce l'évangile. Ce n'est plus pour moi un sujet de gloire. Ce n'est plus pour moi un sujet de gloire. Lorsque je décide de prêcher Jésus. Lorsque je décide de prêcher Jésus. Ce n'est plus pour moi un sujet de gloire. Ce n'est jamais un sujet de gloire. Lorsque je décide d'annoncer Christ. Lorsque je décide d'annoncer Christ. Ce n'est plus pour moi un sujet de gloire. Ce n'est jamais un sujet de gloire pour moi. Mais cela m'est imposé. Mais cela m'est imposé. Un malheur à moi. Un malheur à moi. Si je ne t'annonce pas l'évangile. Pas l'évangile. Un malheur à moi. Un malheur à moi. Si je ne te prêche pas la vérité. Si je ne te prêche pas la vérité. Et malheur à moi. Et malheur à moi. Si je ne viens pas à toi. Si je ne viens pas à toi. Et je ne t'annonce pas. Et je ne t'annonce pas. Ce que la parole de Dieu déclare. Ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Vas-y. De se dépouiller des œuvres des ténèbres. Dépouiller des œuvres des ténèbres. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Si tu aimes réellement Dieu. Si tu aimes réellement Dieu. Comme tu dis Dieu t'aime. Comme tu dis Dieu t'aime là. Il est capital. Il est capital pour toi. Il est important. Il est important pour toi, ma soeur. Que toi aussi tu puisses garder sa parole. Que tu dois garder sa parole. Il est capital. Il est capital. Que toi aussi tu puisses garder ses commandements. Que toi aussi tu dois garder ses commandements, ma soeur. Il est capital. Il est capital pour toi, mon frère. Que tu te dépouilles. Que tu te dépouilles, mon frère. Des œuvres des ténèbres. Des œuvres des ténèbres. Que tu abandonnes. Que tu abandonnes. La vie de péché. La vie de péché. Que tu abandonnes. Que tu abandonnes. La vie de péché. La vie de péché, ma soeur. Qui le métier chrétien? Bien aimé, tu es chrétien. Qui le métier chrétien? Bien aimé, tu es affreux de Dieu. Mais tu ne parles même pas. Mais tu ne parles même pas avec ta voisine du quartier. Oui, tu ne parles même pas de Dieu à la voisine. Qui le métier chrétien? Bien aimé, tu es chrétien. Tu es en palabre. Tu es en palabre. Avec le voisin du quartier. Avec le voisin du quartier. Bien aimé, tu es chrétien. Bien aimé, tu es affreux de Dieu. Bien aimé, tu es chrétien. Tu es chrétien, non?
Bien-aimé, tu es chrétien, mais lorsque tu passes au quartier, mais lorsque tu passes au quartier, et qu'on dit celle-là est chrétienne, et qu'on dit celui-là est chrétien, on dit, lui aussi est chrétien, lui aussi c'est toi, frère de Dieu, celle-là est chrétienne, celle-là aussi est chrétienne, mais on s'assoit ensemble, oui, dans le oh. Vas-y. Mais on s'assoit ensemble. Pour chicoter les valbières. Dans la coupe de l'homme. On s'assoit ensemble. Pour chicoter les valbières. Pour boire la glycophane. On s'assoit ensemble. Pour chicoter les trombards. On s'assoit ensemble. Pour critiquer nos amis. Et celle-là aussi, tu tiens les chrétiens. Lui aussi, c'est lui qui connaît Dieu. Et celle-là aussi, tu tiens les chrétiens. Bien-aimé, le monde même ne témoigne pas de toi. Un enfant de Dieu. Oui. Les païens. Le regardent. Un enfant de Dieu. Les païens. Le regardent. Et dit celui-là. C'est un enfant de Dieu. Et dit celle-là. C'est un enfant de Dieu. La fille de Dieu. Et dit celui-là. C'est une brebis de Jésus. Parce que la Bible déclare ceci. L'Esprit de Dieu qui est en nous. Rend témoignage à notre esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Mais avec ce comportement, comment peux-tu gagner quelqu'un? Comment peux-tu gagner quelqu'un à Jésus? Avec l'attitude que tu as. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Et puis tu dis que tu es enfant de Dieu. Comment peux-tu gagner quelqu'un à Jésus? Comment tu peux gagner quelqu'un à Jésus? Le Seigneur Jésus te regarde. Et il est déçu. Parce qu'il attendait de toi. Parce que Jésus attendait de toi. Une fille. À travers son cœur. À travers sa manière de vivre. À travers sa manière de se comporter. À travers sa manière d'agir. Le Seigneur attendait de toi. Que le monde. Que les païens. Soient convertis. Bien-aimé, que crois-tu? C'est en t'associant. Avec les païens. C'est en vivant. Conformément au monde. Que tu pourras. Les gagner à Jésus. C'est en vivant. Conformément au siècle de ce monde. Crois-tu qu'en faisant cela, tu pourras gagner des âmes au Seigneur. Le Seigneur Jésus t'interpelle ce soir. Le Seigneur Jésus t'interpelle. Lorsque tu passes au quartier. Oui. On dit lui là. Il a trois copines comme moi. On dit celle-là. Elle a quatre copines comme moi. Mais toi, elle va me dire quoi? Mais celle-là, qu'est-ce qu'elle peut me dire? Parce que nous sommes pareils. Parce que nous sommes identiques. Mais qu'est-ce qu'elle peut me dire? Quel témoignage as-tu au milieu des païens? Quel témoignage as-tu, mon frère? Est-ce que ton Jésus te regarde? Comme dans le cas de Job, Est-ce que Jésus peut frapper sa poitrine? Et il peut dire que celle-là, c'est ma servante.
Est-ce que Jésus peut frapper sa poitrine et dit que celui-là c'est mon serviteur. Est-ce que Jésus regarde ton zèle pour son œuvre. Peux-tu dire celui-là c'est mon serviteur. C'est là c'est ma servante. Tu es tout le contraire. Le Seigneur parle à ton cœur ce soir. N'anticipe pas ton cœur. Le Seigneur Jésus parle à ton cœur. N'anticipe pas ton cœur. Réconcilie ta voix. N'anticipe pas ton cœur. Et réconcilie ta voix. Bien-aimé, il arrivera un temps. Vas-y, mon frère. Où tu chercheras ce que nous sommes en train de te prêcher. Vérité. Bien-aimé, il arrivera un temps. Où plusieurs chercheront l'évangile que nous sommes en train de donner. Bien-aimé, il arrivera un temps où plusieurs chercheront la saine doctrine que nous sommes en train de prêcher. Mais ils ne trouveront jamais. Bien-aimé, ils ne trouveront pas. Ça sera trop tard. L'Église de Dieu sera déjà enlevée. Depuis que tu es dans le monde. Dis-moi, est-ce que tu as la paix? Depuis que tu es dans le monde. Depuis que tu vis conformément à ta propre pensée. Oui. Est-ce que tu as la paix? Dis-moi, est-ce que tu as la paix, mon frère? Tu crois être mieux sans Jésus? Mais dis-moi, est-ce que tu as la paix, mon frère? Tu crois être à l'aise sans Jésus? Mais dis-moi, est-ce qu'au fond de toi, tu as la paix? Dis-moi, est-ce qu'au fond de toi, tu as la joie? Est-ce qu'elle est à la joie au fond de toi? Mais dis-moi, est-ce qu'au fond de toi, tu as l'aise? Est-ce que tu as l'aise, mon frère? Tu es oppressé par les femmes de lui. Tu es oppressé par les maris de lui. Tu es oppressé par les esprits de mort. Tu es oppressé par la sorcellerie de famille. Oui. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la paix, ma sœur? Mais la Bible nous dit ceci. Vas-y, mon frère. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et il dit au verset 36. Si Jésus-Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que Jésus a franchi l'enfant de Dieu? Automatiquement, celui-là encore contre la liberté. Vérité. Lorsque Jésus a franchi une brebis du Seigneur, Cette personne connaît la vraie liberté. Mais tu dis que tu es en Jésus. Ou bien peut-être que tu es ailleurs. Mais tu es oppressé. Le petit sorcier du quartier. Le petit sorcier du quartier te fatigue. Est-ce que tu as la liberté? Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Vas-y, mon frère. La raison pour laquelle tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es servant de Dieu. Dis-moi aussi, je vais à l'église. Moi aussi, Jésus me connaît. Mais le petit sorcier de la famille me fatigue. La raison pour laquelle cela continue toujours d'être constaté dans ta vie, C'est parce que la vérité ne t'a pas encore franchi. Parce que tu n'as pas encore connu celui qu'on appelle Jésus. Notre Seigneur Jésus. A dit de lui. Lorsque tu prends le livre de Jean chapitre 14. Il dit, je suis premièrement le chemin. Vérité. Il dit, je suis secondement la vérité. La vérité. Et je suis ensuite la vie. La vie. En Jésus se cachent ces trois éléments. Tu cherches un chemin pour la délivrance. Ce chemin, c'est Jésus.
Tu cherches un chemin pour la liberté. Tu cherches un chemin pour la liberté. Ce chemin, c'est Jésus. Ce chemin, c'est Jésus. Tu cherches un chemin pour la délivrance. Tu cherches un chemin pour la délivrance. Ce chemin, c'est Jésus. Ce chemin, c'est Jésus. Mais il y a aussi un élément. Mais il y a aussi un élément. Que malheureusement, plusieurs n'osent pas te prêcher. Vérité. Que malheureusement, plusieurs n'osent pas t'enseigner. N'osent pas t'enseigner cela. Que malheureusement, plusieurs n'osent pas te le dire. Vas-y, dis mon frère. C'est ce qui est la vérité. Vas-y, mon frère. Comment crois-tu que tu seras libre si tu vis toujours dans l'impudicité? Tu vis toujours dans l'impudicité. Ne sais-tu pas que l'une des portes par excellence des démons, c'est la sexualité? C'est la sexualité. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Un homme ne t'a pas honoré. Un homme ne t'a pas honoré. En payant ta dot. En payant ta dot. Tu n'as pas honoré une femme. Tu n'as pas honoré une femme. En payant sa dot. En payant sa dot. Puisque tu dis à toi-même. Et puisque tu dis à toi-même. Que le monde évolue. Que le monde évolue. Tu commets. Tu commets. L'impudicité. L'impudicité. Tu couches avec une femme. Tu couches avec une femme. Tu couches avec un homme. Tu couches avec un homme. En dehors du mariage. En dehors du mariage. C'est un péché. C'est un péché devant Dieu. C'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle. Le joug a toujours sur toi. Le joug a toujours sur toi. C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle. Le joug a toujours sur toi. Que tu as les visitations des maris et des femmes de nuit. Mais comment crois-tu? Mais comment crois-tu? Que tu seras libre. Que tu seras libre. Si chaque jour tu t'en vas à l'église. Si chaque jour tu vas à l'église. On va te dire que tu vas voyager. On va te dire que tu vas voyager. On va te dire que tu vas te marier. On va te dire que tu vas te marier. On va te dire que tu vas prospérer. On va te dire que tu vas prospérer. On va te dire que je suis dans ton village. On va te dire que je suis dans ton village. On va te dire que je suis arrêté devant ta porte. Je suis devant ta porte. Et on ne prêche pas la sainte doctrine de Jésus. Ne prêche pas la sainte doctrine de Jésus. Comment crois-tu? Comment crois-tu? Que tu seras sauvé. Que tu seras sauvé. Comment crois-tu? Comment crois-tu? Que tu seras délivré. Tu seras délivré. Déjà même sur cette terre. Oui. Tu es oppressé. Tu es oppressé. Déjà même sur cette terre. Déjà même sur cette terre. Tu es sous la domination des démons. La domination des esprits impurs. Comment crois-tu? Comment crois-tu? Que au ciel. Que au ciel. Tu connaîtras la liberté. Tu connaîtras la liberté. Mais comment crois-tu? Comment crois-tu? Que au ciel. Que au ciel. Tu seras totalement libre. Tu seras totalement libre. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Bien-aimé, sors de l'impudicité. Sors de là, ma soeur. Sors de l'impudicité. Sors de l'impudicité, mon frère. Le sexe. Le sexe. Ce n'est pas fait pour les personnes qui ne sont pas mariées. Ce n'est pas un jeu. Le sexe. Le sexe. Ce n'est pas fait pour les personnes qui ne sont pas mariées. Ce n'est pas fait pour les personnes qui ne sont pas mariées. Non, mais moi, je suis jeune. Oui. Non, mais pourquoi je suis jeune? Moi, je suis jeune. Pour que je profite de la vie. Je dois profiter de la vie. Mais nous ne sommes plus au temps de Jésus. Non, le temps de Jésus est passé. Nous ne sommes plus au temps des apôtres. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes actuellement au 21e siècle. Oui. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Vas-y, frère. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Romains 8, 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle à présent. Vas-y. Mais soyez un peu intelligent. Un peu intelligent. Voilà ce que la Bible dit. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas au siècle présent. Et le livre de 1 Jean 2, verset 15 dit ceci. Oui. N'aime point le monde. N'aime point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde. Parce que celui qui aime le monde. L'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. Bien-aimé, sort de l'impudicité. Bien-aimé, sort de l'impudicité. Bien-aimé, l'impudicité. Bien-aimé, l'impudicité. Conduis bon nombre de chrétiens en enfer. Conduis bon nombre d'enfants de l'enfer. Bien-aimé, l'impudicité. Bien-aimé, l'impudicité. Conduis bon nombre de personnes en enfer. Conduis bon nombre de personnes en enfer. Bien-aimé, l'impudicité. Bien-aimé, l'impudicité. Ravis bon nombre de personnes de Dieu. Ravis bon nombre de personnes de Dieu. Bien-aimé, l'impudicité. Bien-aimé, l'impudicité. Si tu ne te réponds pas de cela. Si tu ne te réponds pas de cela. Cela va te rendre. Cela va t'amener en enfer. Cela va t'amener en enfer. Oh, c'est pas ce que Dieu souhaite pour toi. Mais c'est pas ce que Dieu souhaite pour toi. Le Seigneur souhaite pour toi. Le Seigneur souhaite pour toi. Qu'un jour, oui, tu sois auprès de lui. Mais tu sois auprès de lui un jour. L'impudicité. 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 Envahit le monde. Envahit le monde. Si c'est pas l'impudicité. Si c'est pas l'impudicité. C'est l'adultère. C'est l'adultère. Si c'est pas l'impudicité.
c'est pas la publicité, c'est l'adultère, c'est l'adultère. Oh, comme toi femme mariée, oui, comme toi femme mariée, oh, comme toi homme marié, comme toi homme marié, tu peux laisser ta femme à la maison, tu peux laisser ta femme à la maison, tu peux laisser ton mari à la maison, tu peux laisser ton mari à la maison et avoir des rapports sexuels avec une autre personne, et avoir des rapports sexuels avec une autre personne. Tu appelles cela l'adultère, tu appelles cela l'adultère. Et la Bible déclare, et la Bible déclare, Apocalypse 22 verset 15, Apocalypse 22 verset 15, oh dehors le chien, dehors le chien, et c'est pudique, et c'est pudique, et c'est adultère, et c'est adultère. Il n'entrera pas au ciel d'adultère. Ils ne verront jamais. Les adultères ne vont pas au ciel. Oh bien-aimé, réveille-toi. Oh bien-aimé, réveille-toi. Oh bien-aimé, réveille-toi. Oh mon papa, réveille-toi. Mais médite un peu la Bible. Médite un peu la parole de Dieu. Prends un peu la parole de Dieu. Pardon. Et commence à méditer. Pardon, frère. Commence à méditer. Regarde comment prêchaient les apôtres. Regarde comment prêchaient les apôtres. Et regarde comment ton pasteur te prêche. Et regarde comment ton pasteur te prêche. Regarde comment prêchaient les hommes de Dieu dans les Écritures. Regarde comment les hommes de Dieu prêchaient dans les Écritures. Et regarde comment ton pasteur t'enseigne. Et regarde comment ton pasteur t'enseigne. Est-ce que cela est conforme? Est-ce que cela est conforme? Un homme de Dieu. Oui. Un véritable serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu. Se reconnaît par l'évangile qu'il annonce. Se reconnaît par l'évangile qu'il annonce. Parce qu'un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu. Ne se présente pas lui-même. Ne se présente pas lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait ceci. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait ceci. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Mais dans l'église. Mais dans l'église. On ne prêche plus Jésus. On ne prêche plus Jésus. Dans mon nom d'église, oui. L'abomination de la désolation, l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, vérité, et aujourd'hui est encore constaté dans l'église. Les églises. Bien-aimé, réveille-toi. Bien-aimé, réveille-toi. Bien-aimé, réveille-toi. Bien-aimé, réveille-toi. Et sortez des assemblées. Pas de cela. Où on ne prêche pas la vérité. Où on ne prêche pas la vérité. Où on ne fait que te prêcher le leadership. Où on ne fait que te prêcher le leadership. Où on ne fait que te prêcher le voyage. Où on ne fait que te prêcher le voyage. Où on ne fait que te prêcher le mariage. Où on ne fait que te prêcher le mariage. Où on ne fait que te prêcher encore les choses matérielles. Où on ne fait que te prêcher le possède d'un année. Ils sont en train de préparer ton âme. Je voudrais préparer ton âme, mon frère. Pour l'enfer. Pour l'enfer, ma soeur. Ils ne sont pas en train de te faire du bien. Ils ne sont pas en train de te faire du bien. Et de Corinthiens 6 dit ceci. Oui. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vérité. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle. On ne te prêche pas la sainteté. On ne prêche pas la sainteté. Oh, notre Dieu que nous servons. Oh, le Dieu que nous servons. Il dit, soyez saints. Il dit, soyez saints. Comme moi aussi je suis saint. Moi aussi je suis saint. On ne te prêche pas la sainteté. On ne te prêche pas la sainteté. On ne te prêche pas le renoncement. On ne te prêche pas le renoncement. On ne te prêche pas le renoncement aux œuvres mortes. On ne te prêche pas le renoncement des œuvres mortes. On ne te prêche pas l'abandon du péché. On ne te prêche pas l'abandon du péché. On ne te prêche pas l'abandon de l'impudicité. On ne te prêche pas l'abandon de l'impudicité. On ne te prêche pas l'abandon du copinage. On ne te prêche pas l'abandon du copinage. On ne te prêche pas l'abandon du vol. On ne te prêche pas l'abandon du vol. On ne te prêche pas l'abandon de la convoitise des cieux. Oui. On ne te prêche pas l'abandon de la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. On ne te prêche pas cela. Mais on te prêche la prospérité. On te prêche. Comment gérer ce foyer? As-tu une fois vu l'apôtre Paul? As-tu une fois vu? As-tu une fois vu l'apôtre Pierre? As-tu une fois vu le Seigneur Jésus lui-même? As-tu une fois vu l'évangéliste Philippe? L'évangéliste Philippe? As-tu une fois vu Timothée? As-tu une fois vu le serviteur de Dieu Timothée? As-tu une fois vu Jacques? As-tu une fois vu Jacques? As-tu une fois vu l'apôtre Jean? Est-ce que tu as une fois vu l'apôtre Jean? As-tu une fois vu même le prophète de l'ancienne alliance? Même le prophète de l'ancienne alliance? Prêcher le mariage? As-tu prêché le mariage? As-tu une fois vu Jésus? As-tu vu Jésus? Prêcher encore ces choses matérielles. Prêcher encore les choses matérielles. Bien-aimé, réveille-toi. Bien-aimé, réveille-toi. Bien-aimé, réveille-toi. Ma soeur, réveille-toi. Bien-aimé, réveille-toi. Mon père, réveille-toi.
Oh, nous sommes au temps de l'apostasie. Nous sommes au temps de l'apostasie. Oh, nous sommes au temps de l'apostasie. Nous sommes au temps de l'apostasie, mon frère. Ephésiens 4, verset 3 dit ceci. Vas-y. Car il viendra un temps. Car il viendra un temps. Où les hommes. Où les hommes. Ne supporteront plus la sainte doctrine. Ne supporteront plus la sainte doctrine. Et ils auront la démangeaison. Et ils auront la démangeaison. Entendre les choses qui sont agréables. Entendre les choses qui sont agréables. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Et détourneront les oreilles de la vérité. Ils se feront une foule de docteurs. Ils se feront une foule de docteurs. Et ils vont se tourner vers les fables. Ils vont se tourner vers les fables. Ils vont se tourner vers le mensonge. Ils vont se tourner vers le mensonge. Ils vont se tourner vers la publicité. Ils vont se tourner vers la publicité. Ils vont se tourner vers les chimères. Ils vont se tourner vers les chimères. Ils vont se tourner dans les hérésies. Les hérésies. Le Seigneur t'appelle ce soir. Le Seigneur t'appelle ce soir, mon frère. Prête l'oreille. Prête l'oreille. Le Seigneur te parle ce soir. Le Seigneur te parle ce soir, ma sœur. Prête l'oreille. Prête l'oreille. Le Seigneur te parle ce soir. Le Seigneur te parle ce soir. Prête l'oreille. Prête l'oreille. Prête l'oreille. Prête l'oreille. Prête l'oreille. Prête l'oreille. Bien-aimé, la pudicité. Bien-aimé, la pudicité. C'est te mettre. C'est de te mettre. Dans les vêtements moulants. Dans les vêtements moulants. Bien-aimé, la pudicité. La pudicité. C'est de porter des vêtements. C'est de porter des vêtements. À telle enseigne que. À telle enseigne que. Lorsque tu es en train de passer dans la rue. Lorsque tu es en train de circuler. Lorsque tu es en train de passer dans la rue. Lorsque tu es en train de passer dans la rue. Je suis en train de faire tomber plusieurs. De faire tomber plusieurs. Dans la convoitise. Dans la convoitise. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Lorsque tu portes ces gens de vêtements. Lorsque tu portes ces gens de vêtements. Matthieu 5, verset 28 dit ceci. Matthieu. Matthieu 5, verset 28 dit ceci. Matthieu 5, verset 28 dit ceci. Que l'homme qui regarde une femme. Que l'homme qui regarde une femme. Pour la convoiter. Pour la convoiter. A commis l'adultère avec elle dans son cœur. A commis l'adultère avec elle. Lorsque tu portes ces vêtements moulants. Lorsque tu portes ces habits. Lorsque tu portes des vêtements qui exposent tes rondeurs. Lorsque tu portes des vêtements qui exposent tes rondeurs. Lorsque tu portes des vêtements qui exposent ton postérieur. Lorsque tu portes des vêtements qui exposent ton postérieur. Lorsque tu portes des vêtements qui exposent ta poitrine. Lorsque tu portes des vêtements qui exposent ta poitrine. Lorsque tu portes des vêtements qui exposent ta nudité. Lorsque tu portes des vêtements qui exposent ta nudité. Je suis en train de faire tomber bon nombre de personnes. Tu es en train de faire tomber bon nombre de personnes. Et je te le dis en vérité. Et je te le dis en vérité. Si toi ce jeune homme meurt. Si toi et ce jeune homme meurt, si toi et ce jeune homme meurt, sans que vous ayez connu la repentance, sans que vous ayez connu la repentance, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, tu t'habilles en sexy. Bien-aimé, tu t'habilles en sexy. Bien-aimé, lorsque tu t'habilles. Bien-aimé, lorsque tu t'habilles. Tout ton corps est dehors. Tout ton corps est dehors. Et même tu prends ces vêtements. Et tu prends ces vêtements. Pour entrer dans l'église de Dieu. Et tu prends pour entrer dans l'église de Dieu. Bien-aimé, tu ne verras jamais. Bien-aimé, tu ne verras jamais. Tu ne verras jamais. Tu ne verras jamais. Des musulmanes. Des musulmanes. Entrer à la mosquée. Entrer à la mosquée. Avec des vêtements impudiques. Avec des vêtements impudiques. Bien-aimé, tu ne verras jamais. Tu ne verras jamais cela. Une musulmane. Une musulmane. Entrer à la mosquée. Entrer à la mosquée. Avec des vêtements qui exposent sa nudité. Avec des vêtements qui exposent ses rondeurs. Mais toi, chrétienne. Mais toi, enfant de Jésus. Toi qui dis que tu es enfant de Jésus. Toi qui dis que tu es enfant de Jésus. Toi qui dis que tu connais Dieu. Toi qui dis que tu connais le véritable. Toi qui dis que tu connais le salut. Toi qui dis que tu connais le salut. Tu entres dans l'église de Dieu. Et tu rentres dans l'église de Dieu. Avec des pantalons. Avec des pantalons. Tu es dans l'église de Dieu. Tu rentres dans l'église de Dieu. Avec des vêtements qui exposent sa cuisse. Avec les vêtements, tu mets tout ta tête. Avec des vêtements qui exposent tes jambes. Tu exposes tes jambes. Bien-aimé, c'est une abomination devant l'Éternel. C'est une abomination devant l'Éternel. La Bible ne dit-elle pas? Vas-y, frère. Que la nature elle-même doit t'enseigner. La nature doit t'enseigner, mon frère. La nature doit t'enseigner, ma soeur. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, abandonne cette vie. Bien-aimé, abandonne cette vie. Bien-aimé, abandonne cette vie. Bien-aimé, abandonne la vie de sexy. Jésus parle à ton cœur ce soir. Jésus parle à ton cœur ce soir. Jésus parle à ton cœur ce soir. Jésus parle à ton esprit ce soir. La nature doit t'enseigner. La nature doit t'enseigner.
La nature doit t'enseigner. La nature doit t'enseigner. Si tu dis que ce vêtement que tu portes, que ce vêtement que tu portes, il y en a pour les hommes, il y en a pour les hommes, et aussi qu'il y en a pour les femmes, et aussi qu'il y en a pour les femmes. Alors cela signifie que la manière dont les hommes utilisent ce vêtement, alors toi aussi femme, tu dois utiliser la même manière ce vêtement. Alors toi aussi femme, tu dois utiliser la même manière. Ce vêtement. De la manière que je porte mon pantalon. Alors tu dois aussi porter de la même manière ton pantalon. Lorsque aussi je décide d'uriner. De la manière que je fais pour uriner. Alors toi aussi femme, tu dois faire de la même manière. Si tu dis que ce pantalon. Il y en a pour les hommes. Et il y en a aussi pour les femmes. La nature elle-même ne t'enseigne-t-elle pas? Pourquoi lorsque tu es dans la rue? Lorsque tu es dans un endroit un peu public. Et que tu as une envie pressante. Et que tu as envie de uriner. Pourquoi est-ce que tu fais recours au pagne? Pourquoi tu fais recours à ton pagne? Si tu crois être bien habillé. Si tu crois ne pas être nu. Pourquoi tu t'en vas chercher un paille pour te protéger? La Bible nous disait ceci. Vas-y, frère. Insensé que vous êtes. Insensé. Oh, la Bible nous disait ceci. Insensé que vous êtes. Regarde, le Seigneur te regarde. Et il a mal au cœur. Regarde, le Seigneur Jésus te regarde. Et il a mal au cœur. Et on vient te prêcher. Non, Dieu ne regarde pas ce que tu portes. Non, Dieu, l'essentiel, regarde ton cœur. Mais si Dieu regardait seulement ton cœur, Les prostituées souvent ont un bon cœur. Les meurtriers souvent ils ont un bon cœur. Les assassins aussi ont un bon cœur. Parce que plusieurs d'entre eux sont des personnes. Commettent des meurtres. Plusieurs des assassins. Commettent des meurtres. Et ils le font à cause. De la famille. Mais ils le font à cause. De leur maison. En dehors des meurtres qu'ils commettent. Ces personnes aussi sont gentilles. Ces personnes apportent de l'aide. Dirons-nous qu'ils iront au ciel. Le Seigneur disait, insensé que vous êtes. Oh oui, insensé que vous êtes. Le Seigneur parle à ton cœur ce soir. Lorsque tu seras devant le trône du jugement. Bien-aimé, tu n'auras point d'excuses. Tu ne diras pas. Oh, mon pasteur ne m'a pas prêché cela. Oh, tu ne diras pas. Oh, mon prophète ne m'a pas prêché cela. Ne m'a pas dit cela. Oh, tu ne diras pas. Oh, mon apôtre ne m'a pas prêché cela. Mon apôtre ne m'a pas prêché cela. Oh, tu ne diras pas. Mon docteur ne m'a pas prêché cela. Tu ne le diras pas. Tu connaissais la vérité.
N'as-tu pas des genoux? N'as-tu pas des genoux? Pour aller devant la face de Jésus. Aller devant la face de Jésus. Pour lui demander la vérité. Pour chercher sa face. N'as-tu pas des genoux? N'as-tu pas des genoux? Va aller pleurer devant Jésus. Va aller pleurer devant Jésus. Et lui demander. Et lui demander. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Éternel. Oh Éternel. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que si je meurs aujourd'hui, j'entrerai dans ton royaume? Est-ce que je meurs aujourd'hui, j'irai dans ton royaume? Mais tu te fous de Dieu? Mais tu te fous de cela? Bien-aimé, tu parles en langue. Bien-aimé, tu parles en langue. Tu dis, moi, je parle en langue. Tu dis, oui, moi, je parle en langue. Vous dites, on ne fait pas ceci. Vous dites qu'on ne peut pas ceci. Vous dites, on ne fait pas cela. Vous dites qu'on ne fait pas cela. Mais moi, je l'ai fait. Mais moi, je l'ai fait. Et je parle en langue. Et je parle en langue. Mais moi, je le fais. Oui, mais moi, je l'ai fait. Et je prophétise. Et je prophétise. Oh, la Bible nous dit ceci. Oh, la Bible nous dit ceci. Que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur. Seigneur. Qui entreront dans le royaume. Le royaume de Dieu. Oh, il viendra ce jour-là. Il viendra ce jour-là. Où plusieurs diront. Où plusieurs diront. N'avons-nous pas chassé des démons ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et je le dirai ouvertement. Et je le dirai ouvertement. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Dieu dira plusieurs Dieu femmes. Dira plusieurs. Dieu dira plusieurs hommes. Dieu dira plusieurs hommes. Et retirez-vous de moi. Et retirez-vous de moi. À cause du sexe en mariage. À cause du sexe en mariage. À cause des vêtements dévergondés. À cause des vêtements dévergondés. Dans les années antérieures. Oui. Ce sont les prostituées qui portaient des sexes. Ce sont les prostituées qui portaient ce genre de vêtements. Dans les années antérieures. Dans le passé. Ce sont les prostituées. Ce sont les tendoulas. Qui portaient des vêtements dévergondés. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, aujourd'hui, les enfants de Dieu, se mettent dans des vêtements sexy, et viennent à l'église. L'abomination de la désolation. L'abomination. L'apostasie envahit l'église. L'abomination de la désolation. L'abomination et la désolation envahit les enfants de Dieu. Bien-aimé, ressaisis-toi. Bien-aimé, ressaisis-toi. Regarde l'église où tu vas. Regarde l'église dans laquelle tu te mets. Et fais la comparaison entre elle et le maquis. Et fais la comparaison entre l'église et le maquis. Fais-toi la comparaison entre l'église. Fais-toi la comparaison entre l'église et le maquis. Entre l'église et le poids de nuit. Et regarde-toi-même. Et regarde-toi-même. Si encore cela est différent. Si ce qui est différent, c'est une différence. Est-ce qu'il y a une différence? Dans le maquis, on porte les mini. Dans le maquis, on porte les sexy. Dans le maquis, il y a des sexy. Dans le maquis, il y a des musiques rap. Il y a des rap. Dans le maquis, il y a des musiques dévergondées. Il y a les coupés décalés dans le maquis. Et dans l'église aussi, il y a ce pareil. Et ça, je suffis de bon à transporter coupés décalés dans l'église de Dieu. On nous dit, pour convaincre ceux qui font du rap, pour convaincre ceux qui font du rap, nous devons faire du rap chrétien. Nous devons faire du rap chrétien. Pour convertir ceux qui sont dans le coupé décalé. Pour convertir ceux qui sont dans du coupé décalé. On doit faire du coupé décalé chrétien. On doit faire du coupé décalé chrétien. Et bien aimé, comment alors nous allons faire? Oui. Pour convertir ceux-là qui tournent la pornographie. Vas-y. Est-ce que nous allons faire de la pornographie chrétienne? À l'église. Le Seigneur dit insensé, 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 insensé. Bien-aimé, réveille-toi. Bien-aimé, réveille-toi. Bien-aimé, réveille-toi. Était-ce ça l'église primitive? Est-ce que cela existait à l'église primitive? Était-ce ça l'église primitive? Était-ce ça? Est-ce que c'était ça l'église primitive? Est-ce que c'était ça l'église primitive? L'église autant les apôtres était ça. Est-ce que l'église des apôtres était ça? Lorsqu'on se réunissait, on fait prophétie du matin au soir. On fait prophétie du matin au soir. On fait prophétie. Tout le long du culte. Était ça?
Le Seigneur dit insensé que vous êtes. Le Seigneur dit insensé que vous êtes. Parce que vous avez rejeté la parole de Dieu. Parce que vous avez rejeté la parole de Dieu. Et vous avez fait recours aux choses de ce monde. Et vous avez fait recours aux choses de ce monde. La Bible nous disait ceci. La Bible disait ceci. Que les apôtres demeuraient chaque jour. Que les apôtres demeuraient chaque jour. Dans la prière. Dans la prière. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans les enseignements. Dans les enseignements. Et dans la fraction du pain. Et dans la fraction du pain. Qui n'a pas été mentionné. Qui n'a jamais été mentionné. Qui demeurait chaque jour. Qui demeurait chaque jour. Dans la prophétie à ne point finir. Dans la prophétie à ne point finir. Qui n'a pas été mentionné. Qui n'a pas été mentionné. Qui demeurait chaque jour. Qui demeurait chaque jour dans le palais à langue à ne point finir. Dans le palais à langue à ne point finir. Les prophéties viennent pour édifier. Les prophéties viennent pour soulager. Les prophéties viennent pour édifier le peuple. Mais lorsque tout le culte est basé sur la prophétie. Si le culte est basé sur la prophétie. Bien aimé l'église. Ce n'est plus l'église. Parce que l'église de Dieu. Se reconnaît par la doctrine de Jésus. Se reconnaît par les enseignements. Réconcilie tes voies, mon frère. Ô toi, pasteur. Ô toi, homme de Dieu. Tu as transformé l'évangile de Christ. Tu as transformé l'évangile de Christ. En un évangile terrestre. Seulement à cause d'un intérêt. Le Seigneur te parle ce soir. Et toi, qui vas dans ce genre d'église, où on ne prêche pas la sainteté, le Seigneur t'appelle ce soir. Les temps sont finis. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers jours. Les temps sont finis. Jésus ne viendra pas chercher des protestants. Jésus ne viendra pas chercher des évangéliques. Jésus ne viendra pas chercher des orthodoxes. Jésus viendra chercher son église. Il viendra chercher des chrétiens. Il viendra chercher ceux-là qui marchent conformément à sa parole. Les vérités. Ceux-là qui marchent dans la sainteté. Ceux-là qui marchent dans la vérité. Ceux-là qui marchent dans la sanctification. Ceux-là qui traitent durement le corps. Ceux-là qui acceptent l'humiliation. Ceux-là qui acceptent les moqueries. Ceux-là qui ne vivent pas selon le monde. Ceux-là qui ne vivent pas selon le regard des personnes. Mais ces personnes-là. Qui vivent selon la doctrine de Christ. Et ce sont ces personnes-là. Que Dieu appelle la lumière. Parce qu'en vérité. Lorsque tu marches selon Christ. Tu as appelé la lumière du monde. Tu as appelé la lumière. Dans les ténèbres. Parce que tu es clair. Tu éclaires même ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Que Jésus-Christ lui-même est la lumière. Viens aimer pour être une lumière. Faut t'abriter sous la lumière. Pour recevoir cette lumière. Pour être réellement.
pour être séché, pour être séché, pour être sous le soleil, pour être sous le soleil, pour que le soleil te sèche, pour que le soleil puisse te sécher. Oh, le véritable soleil, oh, le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est sa parole. Oh oui, qui est sa parole. Mais quand tu ne marches pas sous le soleil, et lorsque tu ne marches pas sous le soleil, quand tu ne marches pas sous sa parole, lorsque tu ne marches pas sous sa parole, bien-aimé, tu es dans la nuit, bien-aimé, tu es dans la nuit, tu es dans les ténèbres, bien-aimé, tu es dans les ténèbres. Bien-aimé, tu es dans les ténèbres. Bien-aimé, tu es dans les ténèbres. Et la mort. Et la mort. La malédiction. Et la malédiction. Est tout près de toi. 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 Je te rappelle quelque chose. Je rappelle quelque chose. Dis-moi, je te dis quelque chose. Dis-moi, je te dis quelque chose. Ce n'est pas ceux qui sont à la mort. Ce n'est pas ceux qui sont à la mort. Ceux qui sont au cimetière. Ceux qui sont au cimetière. Qui sont appelés morts. Ils sont appelés seulement morts. Ils ne se passent pas seulement. Pas seulement. Plus seulement. Mais le mort. Mais le mort. Spirituellement, ceux qui sont appelés morts. Vas-y. C'est ceux-là qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. Effectivement. Tu es peut-être vivant sur la terre. Tu es vivant sur la terre. Tu manges du temps, tu t'amuses. Mais réellement, si tu n'as pas Christ, tu n'as pas Christ, tu es considéré comme mort. Effectivement, tu es mort. Parce que spirituellement, spirituellement, tu es dans les ténèbres. Spirituellement, spirituellement, tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Spirituellement, spirituellement, tu es dans le noir. Tu es dans le noir. Mais bien-aimé, bien-aimé, la lumière est venue. La lumière est venue pour éclairer le monde. Pour éclairer le monde. Et cette lumière. Et cette lumière ne se cache pas. Ne se cache pas. Ne se cache pas. Ne se cache pas. Elle a la portée. Elle a la portée. De tous. De tous. De tous. De tous. Pourvu que. Pourvu que. Tu la demandes. Tu la demandes. Pourvu que. Pourvu que. Tu t'approches de cette lumière. Tu t'approches de cette lumière. Mais cette lumière. Mais cette lumière. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est la seule lumière. C'est la seule lumière. Il est 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 la seule lumière. Hormis lui. Hormis lui. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Hormis le Seigneur Jésus-Christ. Aime-nous le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre lumière. Il n'y a pas d'autre lumière. Regarde ce que lui-même dit. Regarde ce que lui-même dit. Il y a assez de Dieu. Il y a assez de Dieu. Des dieux avec petit dé. Des dieux avec petit dé. Les dieux sont nombreux. Des dieux sont nombreux. Mais ce ne sont pas les véritables. Mais ce ne sont pas les véritables. Et lui-même dit. Et lui-même dit. Que les dieux. Que les dieux. Qui n'ont pas créé. Qui n'ont pas créé. Le ciel. Le ciel. Et la terre. Et la terre. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Y compris. Y compris. Les idolâtres. Les idolâtres. Ceux qui les idolâtrent. Ceux qui les idolâtrent. Vont disparaître. Ceux qui vont disparaître. Alors toi. Alors toi. Qui t'agenou. Qui t'agenou. Devant statue. Devant statue. Tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Et le Seigneur te dit. Et le Seigneur te dit. Que ça soit l'idolâtre. Que ça soit l'idolâtre. Que ça soit la créature. Que c'est la créature. Qui se cache derrière cette statue. Qui se cache derrière cette statue. Vous allez disparaître. Vous allez disparaître. Vous allez disparaître. Vous allez disparaître. Parce que lorsque tu t'agenouilles devant statue, tu es comparable. Tu es comparable au féticheur du village. Au féticheur du village. Tu es comparable. Tu es comparable à celui-là qui lance Corrie. À celui-là qui lance Corrie. Tu es comparable. Tu es comparable à celui-là qui adore l'eau. À celui-là qui adore l'eau. Tu es comparable. Tu es comparable à celui-là qui adore forêt. Qui adore forêt. Tu es comparable. Tu es comparable à celui-là. À celui-là qui adore les montagnes. Qui adore les montagnes. Qui adore les cailloux. Qui adore les cailloux. Tu es comparable. Tu es comparable à celui-là qui adore les ancêtres. Qui adore les ancêtres. Souvent on entend dire. Souvent on entend dire. Surtout nos parents africains. Effectivement. Ils disent que c'est vrai, on va à l'église. C'est vrai, on va à l'église. Mais n'oublions pas la tradition. Mais n'oublions pas la tradition. Bien-aimé. Bien-aimé. Toi qui dis cela. Toi qui dis cela. Réponds-toi. Réponds-toi. Qu'à Dieu. Ne se mêle pas à la tradition. Ne se mêle pas à la tradition. Il a Dieu à part. Il a Dieu à part. Il a la tradition. Il a la tradition. Car la majorité de nos traditions. Car la majorité de nos traditions. Sont diaboliques. Sont diaboliques. Sont diaboliques. Sont diaboliques. Sont diaboliques. Diaboliques. Pendant que Dieu te dit. Pendant que Dieu te dit. Mangez de tout ce qui se vend. Mangez de tout ce qui te vend. Au marché. Au marché. Toi tu dis. Tu ne manges pas silu. Oui, effectivement. Parce que tes parents adorent silu. Mais tes parents adorent silu. Tu dis tu ne manges pas piton. Tu ne manges pas piton. Parce que tes parents adorent ses pains. Mais tes parents adorent ses pains. Bien-aimé. Bien-aimé. Ne mélange pas. Ne mélange pas. La tradition. La tradition. À l'église. À l'église. Ne mélange pas. Ne mélange pas. La tradition. La tradition. À Jésus-Christ.
Jésus-Christ. À Jésus-Christ. 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 N'est pas dans la tradition. N'est pas dans la tradition. Il y a certains. Il y a certains. Qui dit cela. Qui dit cela. Que la tradition. Que la tradition. On peut faire ta tradition. On peut faire ta tradition. Quand tu fais faire des générations. On peut faire des générations. Le Seigneur t'appelle à repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Car le Seigneur. Car le Seigneur. N'est pas dans la fête des générations. N'est pas dans la fête des générations. Derrière la fête des générations. Derrière la fête des générations. C'est la fête. C'est la fête. Du Dieu du village. Du Dieu du village. Le Seigneur. Le Seigneur. Est un Dieu jaloux. Est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. 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 Tu ne peux pas adorer Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu. Adorer la tradition. Et la tradition. Bien-aimé, ça va pas. Ça va pas. Regarde. Regarde. Au moment où Dieu. Au moment où Dieu. Était en Israël. Était en Israël. Avait choisi sa nation. Avait choisi sa nation. La nation d'Israël. La nation d'Israël. Il y avait d'autres nations. Il y avait d'autres nations. Qui adoraient d'autres dieux. Qui adoraient d'autres dieux. On dit. C'était la tradition. C'était la tradition. C'est pareil aujourd'hui. C'est pareil aujourd'hui. L'Église est connue de tous. L'Église est connue de tous. Pendant que la véritable Église est là. Pendant que la véritable Église est là. Il y a des personnes. Il y a des pasteurs. Il y a des personnes. Il y a des personnes. Qui sont encore. Qui sont encore. À la tradition. À la tradition. Ils disent. Que aide-toi. Aide-toi. Et Dieu t'aidera. Et Dieu t'aidera. Bien-aimé, c'est écrit où? C'est écrit où? Je prends l'écriture. 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Quelqu'un, ils abandonneront Jésus-Christ pour s'attacher à des esprits séducteurs qui sont des démons. Et à la doctrine des démons. À la doctrine des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Par l'hypocrisie des faux pasteurs. Portant la marque de la prétitie. Qui en fait sont des francs-maçons. Dans leur propre conscience. Des féticheurs. Prescrivant. Des marabouts. De ne pas se marier. Ils vont prescrire de ne point se marier. Et de s'abstenir d'aliments. Et de s'abstenir. D'aliments. Que Dieu a créé. Que Dieu a créé. Pour qu'ils soient pris. Pour qu'ils soient pris. Avec action de grâce. Avec action de grâce. Pour ceux qui sont fidèles. Pour ceux qui sont fidèles. Et qui ont connu la vérité. Qui ont connu la vérité. Bien-aimé, la tradition n'est pas de Dieu. Toi-même qui portes ces dieux de sécurité, tu dis contre accident, ou encore bague, contre empoisonnement, tu dis aide-toi, Dieu t'aidera. Bien-aimé, Dieu n'est pas, Jésus-Christ n'est pas dans les bagues de protection. Il ne se mélange pas aux idoles. Il n'est pas dans les ceintures de sécurité. Il ne partage pas sa gloire. Il n'est pas dans l'eau qu'on prend pour se laver pour être protégé. Il ne partage pas sa gloire. Parce que la véritable protection, oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, c'est Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus. Bien-aimé, si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, tu es zéro. Tu n'es pas véritablement protégé. Effectivement. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, tu n'as pas l'assurance. Effectivement, c'est le seul qui donne l'assurance. Il est l'assurance. Il est l'assurance. Il est la paix. Il est la paix. Il est la joie. Il est la joie. Il est la liberté. Il est la liberté. Il est la libération. Il est la libération. En lui la restauration. En lui la restauration. En lui la délivrance. En lui la délivrance. En lui la paix. En lui la paix. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Pour toi qui es perturbé. Toi qui es perturbé. Pour toi qui es encore de l'amertume. Toi qui es dans l'amertume. Pour toi qui es triste. Toi qui es triste. Pour toi qui es triste. Pour toi qui es triste. Le Seigneur t'appelle. Tu ne sais plus où mettre la tête. Tu ne sais pas où mettre la tête. Tu ne sais plus quoi penser. Tu ne sais plus quoi penser. Parce que tu es découragé. Parce que tu es découragé de la vie. Les hommes t'ont découragé. Les hommes t'ont découragé. Bien-aimé, lui-même il a dit. Bien-aimé, lui-même il a dit. Ne mets pas ta confiance en un homme. Ne mets pas ta confiance en un homme. Tu es découragé d'un homme. Tu es découragé d'un homme. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Pour t'accueillir encore. T'accueillir encore. Tu es découragé d'un homme. Tu es découragé d'un homme. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Il t'attend à bras ouverts. 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 Regarde comment ils t'ont blessé. Regarde comment les femmes t'ont blessé. Regarde comment la femme t'a blessé. Regarde comment les femmes la femme t'a blessé. Regarde comment l'homme t'a blessé. Regarde comment les femmes l'homme t'a blessé. Tu appelles cela gourmet. Tu appelles ça gourmet. Mais en vérité, c'est à cause de toi-même. En vérité, c'est à cause de toi-même. Parce que le Seigneur a dit. Parce que le Seigneur a dit. Maudit soit celui. Maudit soit celui. Qui met sa confiance à un homme. Qui met sa confiance à un homme. Tu as mis ta confiance en ton copain. Tu as mis ta confiance en ton copain. Tu as mis ta confiance à ta copine. Tu as mis ta confiance à ta copine. Et ce qui arrive là. Et ce qui arrive. C'est à cause de ce que de toi-même. C'est à cause de toi-même. Il dit ce que tu sèmes là. Ce que tu sèmes. C'est ce que tu vas moissonner. C'est ce que tu vas moissonner. Bien-aimé. Bien-aimé. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en Jésus. Jésus est là encore. Il est là pour toi. Tu vis dans la masturbation. Il est là pour toi.
Tu vis dans la masturbation. Tu vis dans la masturbation. Il est difficile d'arrêter cela. Il est difficile d'arrêter cela. Ce qu'on appelle communément Aoko. Tu l'appelles communément Aoko. Tu fais la masturbation. Tu fais la masturbation. Il est difficile pour toi. Il est difficile pour toi. D'arrêter cela. D'arrêter cela. Où tu prends plaisir à cela. Où tu prends plaisir à cela. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Derrière chaque péché. Derrière chaque péché. Se cache un démon. Se cache un démon. Et après derrière ce démon, il y a des liens. Il y a des liens. Bien aimé. Bien aimé. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour t'affranchir. Il est là pour t'affranchir. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te délivrer. De la masturbation. De la masturbation. De ce qu'on appelle Aoko. De ce qu'on appelle Aoko. Toi qui es encore dedans. Des comcom. Je te le dis en vérité. Des carottes. Approche-toi du Seigneur Jésus-Christ. Approche-toi du Seigneur Jésus-Christ. Une femme qui se masturbe. Une femme qui se masturbe. Le Seigneur t'appelle. T'appelle. À la repentance. À la repentance. À la repentance. Avec à la repentance. Aucune personne qui se masturbe. Une personne qui se masturbe. Ne pourra voir le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Aucune personne. Aucune personne. Qui utilise le préservatif. Qui utilise le préservatif. Ne peut voir le royaume des cieux. Ne peut voir le royaume des cieux. Toi qui utilise le préservatif. Tu utilises le préservatif. Tu utilises la méthode contraceptive. Tu utilises la méthode contraceptive. Tu fais des vaccins. Tu fais des vaccins. Tu ne pourras tomber enceinte. Ne pourras tomber enceinte. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Beaucoup ont mis des pilules. Des implants. Des implants. Des implants. Dans les bras. Dans les bras. Pour ne pas tomber enceinte. Pour ne pas tomber enceinte. C'est toi qui fais planning familial. C'est toi qui fais planning familial. Et tu ne consultes pas le Seigneur. Et tu ne consultes pas l'Éternel. Tu fais ce que fait le monde. Tu fais ce que fait le monde. À cause de ton impudicité. À cause de ton impudicité. À cause de la prostitution. À cause de ta prostitution. Tu fais ces genres de choses. Tu fais ces genres de choses. Ils sont une abomination. Ils sont une abomination. Toi qui as fait un plan. Tu t'as placé un plan. Le Seigneur t'appelle à repentance. Le Seigneur t'appelle à repentance. Toi qui as fait vaccin. Toi qui as fait vaccin. Le médecin t'a conseillé cela. Le médecin t'a conseillé cela. Le gynécologue. Le gynécologue. Ou qui encore. T'as conseillé cela. Pour faire cela. Pour faire cela. Pour espacer tes grossesses. Pour espacer tes grossesses. Bien aimé. Bien aimé. Consulte le Seigneur. Consulte le Seigneur. Car cela. Car cela. Est une action du diable. Est une action du diable. Quand tu fais cela. Quand tu fais cela. Tu es en opposition. De l'opposition. Avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Quand tu es plus fait enfant. Quand tu es plus fait enfant. Quand tu veux faire stop. Quand tu veux faire stop. Tu pries le Seigneur. Tu pries le Seigneur. Tu dis pour un moment. Pour un moment. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Le Seigneur t'écoute. Le Seigneur t'écoute. Il va stopper. Il va stopper. Mais toi qui fais cela. Mais toi qui fais cela. Le Seigneur t'appelle. T'appelle. À la repentance. À la repentance. Toi qui tues préservatif. Toi qui tues préservatif. Ce qu'on appelle capote. Ce qu'on appelle capote. Toi garçon qui tue cela. Garçon qui tue cela. Mais si tu veux pas l'enceinter. Mais si tu veux pas l'enceinter. Pourquoi tu la prends? Pourquoi tu la prends? Si ce n'est pas ta femme. Si ce n'est pas ta femme. Pourquoi tu fais elle est cela? Bien aimé. Bien aimé. Tu t'en s'amuse pas. On s'amuse pas. Elle la ruse du diable. Avec la ruse du diable. C'est le diable. C'est le diable. Qui a fait préservatif. Qui a fait préservatif. Pour prendre vos semences. Pour prendre vos semences. Parce que dans la semence. Parce que dans la semence. Se cache la gloire de l'homme. Se cache la gloire de l'homme. Se cache la richesse de l'homme. Se cache la richesse de l'homme. Se cache la vie de prière de l'homme. Se cache la vie de prière de l'homme. Et quand tu fais cela. Spirituellement, ils viennent prendre les préservatifs. Spirituellement, ils viennent prendre les préservatifs. C'est ce qu'ils prennent. Ils prennent. Pour multiplier le monde. Pour multiplier le monde. Pour multiplier les actions. Pour multiplier les actions. Contre l'homme. Contre l'homme. C'est pourquoi le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur. Te dit. Te dit. Toi qui te massures. Toi qui te massures. Toi qui utilises le préservatif. Toi qui utilises le préservatif. Toi qui fais un plan. Toi qui fais un plan. Toi qui fais Aoko. Toi qui fais Aoko. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. À la repentance. À la repentance. Ta femme. Ta femme. C'est ton savon. Ton mari, c'est carotte, c'est carotte. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'appelle. À la repentance, à la repentance. Bien aimé, t'appelle, bien aimé, t'appelle. Beaucoup font cela, beaucoup font cela, beaucoup font cela, beaucoup font cela. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils font cela, ils font cela. Ils prennent plaisir, ils prennent plaisir. On ne t'accuse pas, on ne t'accuse pas. On ne te condamne pas, on ne te condamne pas. C'est un esprit qui fait cela, c'est un esprit qui fait cela. Tu veux quitter dans ça, tu veux quitter dans ça. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je suis fatigué, je suis fatigué. De la masturbation, de la masturbation. Je suis fatigué. Je suis fatigué. De Aoko. De Aoko. Je me masturbe trop. Je me masturbe trop. Seigneur. Seigneur. Délivre-moi. Délivre-moi. Aide-moi. 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 Et tu verras. Et tu verras. Bien aimé, et tu verras. Et tu verras. Et tu verras. Et tu verras. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. À la repentance. À la repentance. Maintenant. Maintenant. Je parle aux personnes mariées. Je parle aux personnes mariées. Je dis bien aux personnes mariées. Aux personnes mariées. Le Seigneur Jésus-Christ dit. Le Seigneur Jésus-Christ dit. Que le lit conjugal. Que le lit conjugal. Soit exempt de souillure. Soit exempt de tout souillure. D'abord il dit. Et d'abord il dit. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Tout le monde connaît ce verset. Tout le monde connaît ce verset. Quand tu vas au mariage. Quand tu vas au mariage. Tu cries seulement. Tu cries seulement. Que le mariage soit honoré de tous. 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 Le pasteur connaît ça. Le pasteur connaît ça. Jusqu'au dernier fidèle. Jusqu'au dernier fidèle. Mais la foi
croix continue. Mais la croix continue. On dit est le lit conjugal. Elle est le lit conjugal. Exemple de souillure. Exemple de souillure. C'est-à-dire sur le lit conjugal. C'est-à-dire sur le lit conjugal. Tu ne dois pas faire n'importe quelle phase. Phase. La position pornographie. Pornographie. Que tu fais sur le lit conjugal. Elle va se faire le lit conjugal. T'amèneront dans le feu. T'amèneront dans le feu. Toi qui prends ta femme en arrière. En débouquet. Toi qui prends ta femme par derrière. Par derrière. En débouquet. Le Seigneur t'appelle à repentance. Le Seigneur t'appelle à repentance. Toi qui laisse ta femme monter sur toi. Le Seigneur t'appelle à repentance. Une femme ne doit pas monter sur l'homme. Une femme ne doit pas monter sur l'homme. C'est une abomination. C'est une abomination. C'est une rébellion. C'est une rébellion. Toi, femme qui monte l'homme. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Car l'autorité est donnée à l'homme. Car l'autorité est donnée à l'homme. La femme n'a pas autorité sur l'homme. La femme n'a pas autorité sur l'homme. Spirituellement, quand tu parles. Spirituellement, quand tu parles. Parce que Dieu, c'est l'esprit. Tu vois les choses physiquement. Tu vois les choses spirituellement. Chanellement. Chanellement. Mais derrière. Mais derrière. C'est spirituel. C'est spirituel. Toi qui fais ce qu'on appelle la pipe. Toi qui fais ce qu'on appelle la pipe. Tu prends le sel de ton homme. Tu prends le sel de ton homme. Tu mets ça dans ta bouche. Mets ta bouche. Le Seigneur t'appelle à repentance. Le Seigneur t'appelle à repentance. Et c'est avec cela que tu dois louer le Seigneur. Avec cela que tu dois louer le Seigneur. C'est cela que tu adores le Seigneur. Avec cette bouche, tu dois adorer le Seigneur. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Tu prends le sel de ton homme. Tu prends le sel de ton homme. Tu lui fais plaisir. Tu lui fais plaisir. Lui aussi il aime ça. Lui aussi il aime ça. Ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Lui soutirer de l'argent. Lui soutirer de l'argent. Il t'appelle à repentance. Il t'appelle à repentance. Première main pause. Deuxième pause. Je raconte ce que j'ai vu un jour. Je raconte ce que j'ai vu un jour. C'est malheureux. C'est malheureux. Je passais là. Je passais là. Je vois dans une voiture. Je vois dans une voiture. Une fille. Une fille. Elle a baissé. Elle a baissé. Sous le manchon de son homme. Sous le manchon de son homme. En train de faire ce qu'on appelle la pipe. En train de faire ce qu'on appelle la pipe. C'était l'abomination. C'est l'abomination. Elle lui fait plaisir. Elle lui fait plaisir. Je sais que c'est pour lui soutirer de l'argent. C'est pour lui soutirer de l'argent. Sinon, normalement, tu n'as pas voulu faire cela. Effectivement. Le Seigneur t'appelle à repentance. Ta bouche est pour manger. Ta bouche est pour manger. Ta bouche est pour manger. Pour adorer le Seigneur. Effectivement, c'est pour adorer le Seigneur. Tu prends pour faire pipe là. Tu peux faire pipe. Peut-être tu ne savais pas. Peut-être tu ne savais pas. Le Seigneur t'appelle à repentance. Le Seigneur t'appelle à repentance. Toi, homme. Toi, homme. Tu prends ta langue. Tu prends ta langue. Tu dis, tu es un champion. Tu es un champion. Tu vas lui faire plaisir. Tu vas lui faire plaisir. Tu vas laisser ta femme. Tu vas laisser ta femme. Tu vas laisser ta femme. Tu es un mouton. Pour lui faire plaisir. Il t'appelle à repentance. De comportement. Souvent tu vas à l'église. Souvent tu vas à l'église. Après le mariage. Après le mariage. L'homme de Dieu dit. L'homme de Dieu dit. Vous êtes marié. Vous êtes marié. Faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Et faut faire plaisir à ta femme. Faut faire plaisir à ta femme. Faut lui montrer que tu es un homme. Faut lui montrer que tu es un homme. Bien aimé. Bien aimé. C'est une parole diabolique. C'est une parole diabolique. Le lit conjugal. Le lit conjugal. Va exemple de souillure. Va être exemple de souillure. Je vous l'ai dit qu'on parle selon la parole de Dieu. On parle selon la parole de Dieu. Toi. Toi. Qui va être ta femme. Qui va être ta femme. Dans la douche. Dans la douche. Dans le salon. Dans le salon. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Le Seigneur t'appelle à repentance. Le Seigneur t'appelle à repentance. Tout doit se faire. Tout doit se faire. Sur le lit conjugal. Sur le lit conjugal. Conformément. Conformément. À la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Dans la sanctification. Dans la sanctification. Dans la sanctification. Dans la sanctification. Bien aimé. Bien aimé. Vous connaîtrez la vérité. Effectivement, et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Vous pensez que c'est bien? Que la pornographie existe? Le diable est rusé. Parce qu'il sait que. Parce qu'il sait que. L'homme est tiré vers la chair. L'homme est tiré de la chair. Quand tu vas aller vers ta femme. Quand tu vas aller vers la femme. Tu vas penser à toutes les positions pornographiques que tu vas faire. Tu vas penser à toutes les positions pornographiques. Et puis tu vas vouloir faire ça sur et ta femme. Et tu vas vouloir faire ça à ta femme. Et lui va te condamner. Et lui va te condamner. Il va t'accuser. Il va t'accuser. Bien aimé. Bien aimé. Toi. Toi. Qui laisse ta femme monter sur toi. Qui laisse ta femme monter sur toi. Le Seigneur t'appelle à repentance. Le Seigneur t'appelle à repentance. Il prend ta femme en arrière. Il prend ta femme en débouquet. Que ça soit par sodomie. Que ça soit par sodomie. Que ça soit même en arrière. En arrière. Le Seigneur t'appelle à repentance. Le Seigneur t'appelle à repentance. Il t'appelle à repentance. Il t'appelle à repentance. Toi qui es busy. Tu es busy. Le Seigneur t'appelle à repentance. Le Seigneur t'appelle à repentance. En vérité, c'est la prostitution. En vérité, c'est la prostitution. Tu as maquillé cela. Tu as maquillé cela. Tu appelles ça la busy. C'est un gâteau empoisonné. C'est tout comme. C'est même chose que les pouteurs. Effectivement. Ils sont les voleurs. Ils sont les voleurs. Ils disent ça s'appelle pouteur. Ils disent ça s'appelle pouteur. Ils ont maquillé cela. Ils ont maquillé cela. En fait, quand tu fais prostitution, effectivement, tu dis c'est busy, tu fais. C'est busy, tu fais. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. À la repentance. À la repentance. Réponds-toi du busy. Réponds-toi du busy. Réponds-toi du busy. Réponds-toi du busy. Tu donnes ton numéro. Tu donnes ton numéro. Aux gens. Aux gens. Pour qu'ils trouvent client. Pour qu'ils trouvent client. Et quand tout client. Pourquoi quand tout client. On t'appelle. On t'appelle. Et toi tu vas te mettre. Et toi tu vas maintenant. Tu dis n'est pas prostitué. Et tu dis n'est pas prostitué. Tu fais pour toi en classe. Tu fais pour toi en classe. Bien aimé. Est-ce que tu es baka? Est-ce que tu es baka? Est-ce que tu es véhicule? Est-ce que tu me pousses ta porte? Réponds-toi. Le Seigneur t'appelle. Saisis-toi. On n'est pas là pour te condamner.
On n'est pas là pour te voir. On est venu pour que tu puisses changer de comportement. On est là pour que tu changes de comportement. Parce que la manière dont tu vis, Jésus n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. C'est pourquoi il nous a mandaté de venir te parler en ce soir. Te parler encore ce soir. Si tu entends cette parole, n'en dissipe pas ton cœur. N'en dissipe pas ton cœur. Parce qu'avant, nous étions. C'est la même chose aussi. Mais lorsque nous avons entendu la parole de l'Éternel, nous avons décidé de changer le comportement. On a décidé de changer. Nous sommes appuyés sur Jésus-Christ. Et il ne nous a pas rejetés. Il nous a pris dans ses bras. Il nous a pris dans ses bras. Et aujourd'hui, tu me vois te parler. Tu vois mon frère te parler. C'est parce qu'il a reçu Jésus. C'est le moment pour toi de venir à lui. Il ne te connaît pas. Il te tend la main. 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 C'est une créature merveilleuse que Dieu a créée. Tu as besoin d'être la note. La note, c'est la parole de Dieu. C'est comme, t'es comme un téléphone dans la main de Dieu. Tu n'es pas fait ce que tu veux, sinon tu vas te gâter. Tu as besoin de cette notice. Tu dois prendre ton temps au sérieux. Tu n'es pas un chiffon pour tous les gars sont passés toi. Tu n'es pas un acteur pour tous les gars passés toi. Change de comportement. Tu n'es pas fatigué de cette vie de prostitution. Tu n'es pas fatigué de cette vie où pour de l'argent on te fait de n'importe quoi. Ressaisis-toi. Jésus pleure pour toi. Jésus pleure pour toi. Et coule là lorsqu'il te voit dans l'abomination. Lorsque tu fais ce qui n'est pas bon. Change de comportement. Bien-aimé, reviens. Il est là pour toi. 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 Toi qui prends crédit. Toi qui prends crédit. Et tu ne payes pas. Et tu ne payes pas. Tu ne payes pas. Et tu ne payes pas. Tu dis tu es malin. Et tu dis tu es malin. Tu dis tu es rusé. Tu dis tu es rusé. C'est toi qui double les gens. Toi qui double les gens. Tu dis j'ai doublé celui-là. Tu dis j'ai doublé celui-là. Bien-aimé, tu te réjouis. Bien-aimé, tu te réjouis. Tu dis tu es mince. Tu dis tu es mince. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Si tu meurs en crédit. Si tu meurs en crédit. Tu n'as pas remboursé. Tu n'as pas remboursé. Même une pierre de 100 fois. Même bien les 100 francs. Mais 5 francs. Mais 5 francs. Si tu meurs dans ça. Mais si tu meurs. Tu comprendras. Tu comprendras. Toi qui laves à pied de ton mari. Toi qui laves à pied de ton mari. Tu vois l'argent dedans. Tu vois l'argent dans sa poche. Tu dis c'est ton argent. Tu dis c'est ton argent. Comme il ne te donne pas. Comme il ne te donne pas. Toi tu vas prendre cela. Tu vas te servir. Tu vas pas lui dire. Tu vas pas lui dire. Et même. Hein, et même. Il te donne l'argent pour aller au marché. Il te donne l'argent pour aller au marché. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Tu vas au marché. Tu vas au marché. Monnaie là. Monnaie là. Tu gardes. Tu gardes. Tu ne lui dis pas. 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 Frère, sœur, nous on bénit ses biens. Nous on bénit ses biens. Parce qu'il ne donne pas de l'argent. Il ne donne pas de l'argent. Mais tu sais comment Dieu appelle cela? Comment Dieu appelle cela? Tu es une voleuse. Tu es une voleuse. Tu as volé. Tu as volé ton mari. Puisque tu ne lui as pas dit. Tu ne l'as pas dit. Tu es une voleuse. Tu es une voleuse. Si tu ne te réponds pas. Tu ne réponds pas. Tu ne pourras pas voir sa face. Tu ne pourras pas voir Dieu. Tu ne pourras pas voir sa face. Tu ne pourras pas voir sa Dieu. Il te donne l'argent. Hein? Il te donne l'argent. Pour aller au marché. Pour aller au marché. Tu fais je retiens. Tu fais je retiens. Tu fais je retiens. Tu fais je retiens. Parce que tu dis. Parce que tu dis. Il te donne pas l'argent pour acheter. Habit. Il ne doit pas l'avoir acheté à bille. Mais si c'est le cas. Mais c'est le cas. Que tu as pris l'argent. Que tu as pris l'argent. Sans lui demander. Sans lui demander. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Voleuse. Voleuse. Oh, il dit. Oh, il dit. Aucun voleur. Aucun voleur. Ne rentrera dans le royaume des cieux. Ne rentrera dans le royaume des cieux. Toi qui fais ton team. Toi qui fais ton team. Je te parle encore. Je te parle encore. Si tu ne rembourses pas. Si tu ne rembourses pas. Si tu ne sors pas de cela. Si tu ne sors pas de cela. Que tu meurs dans ça. Que tu meurs dans ça. Tu ne pourras pas voir sa face. Tu ne pourras pas voir sa face. Tu ne pourras pas voir sa face. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. La tortue de Christ est trop grande. Elle est trop grande. Il y a des choses même. Il y a des choses même. Que peut-être on oubliera de vous dire. Effectivement. Parce que le monde. Parce que le monde. Est plongé dans le péché. Est plongé dans le péché. Si tu n'as pas Christ. Si tu n'as pas Jésus. Pour te révéler les choses. Pour te révéler les choses. Tu ne sauras pas que. Tu ne sauras pas que. Ce que tu fais là, c'est péché. Tu fais là, c'est péché. Tu ne sauras pas que. Tu ne sauras pas que. Quand tu fumes même la cigarette là. Quand tu fumes la cigarette. C'est un péché. C'est un péché. Quand tu prends la drogue. Quand tu prends la drogue. C'est un péché. Est-ce que tu es voiture? Est-ce que tu vois tes fumer sur tes oreilles? Est-ce que tu vois tes fumer sur ta bouche? Est-ce que tu vois-tu? Tu n'es pas créé comme ça. Tu n'as pas un véhicule pour que la fumée sorte de tes narines. Tu n'as pas un véhicule pour que la fumée sorte de ta bouche. Change de comportement. Change de comportement. Change de comportement. Reviens au Seigneur. Jésus t'aime. Il t'appelle à revenir à lui. Abandonner cela. Tu n'as pas un véhicule pour faire sortir la fumée dans tes narines. Pour faire sortir la fumée dans ta bouche. Réponds-toi. Change de comportement, ma soeur. Regarde comment les voix t'es dépigmentée. La poupée sur ta peau. Là comment ton cœur est devenu comme banane brisée. Change de comportement. Dieu n'aime pas ça. Change de comportement. Le Seigneur te parle. Là comment il voit t'as gardé ton corps. Ton corps est beau, joli. Là comment il voit t'as changé ton corps. Réponds-toi. C'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça.
Tu as voulu, selon le monde, changer la plusieurs de ton corps. Te rendre clair, mais regarde les conséquences aujourd'hui. Toi, tu as honte de toi, lorsque tu regardes tes doigts. Lorsque tu regardes tes pieds, tu as honte de toi. Ma soeur, Jésus. Dieu t'a pas créé comme ça. Il ne t'a pas créé. Reviens à lui. Abandonne les pommades. Reviens. Abandonne la dépigmentation. Reviens au Seigneur. Abandonne les injections. Il n'y a rien dedans. Laisse-le va rétablir ton cœur. Il n'y a rien dans la dépigmentation. Regarde aujourd'hui. Tu fais des tatouages sur ton corps. Ton corps que ton mari devait regarder pour apprécier. Tu laisses n'importe qui toucher ton corps. N'importe qui fait les dessins sur ton corps. Ma soeur, réponds-toi. Demande pardon à Jésus. J'essaie de l'ignorance que tu connais cela. Jésus t'appelle aujourd'hui à revenir à lui. Abandonner ta mauvaise voie. Abandonner tes pratiques qui ne glorifient pas son nom. Il t'appelle aujourd'hui. On ne te juge pas. Parce qu'autrefois, lui, on était dans les copines aussi. Autrefois, on était dans la pipe aussi. Autrefois, on était dans un monde aussi. Mais Jésus a changé notre cœur. Nous avons fait convertir notre cœur. Dieu de notre cœur, il a changé notre cœur. Avant, on buvait aussi. Mais aujourd'hui, Jésus a changé notre cœur. Nous ne buvons plus. On n'est plus sur l'emprise de la boisson, de l'alcool. Parce qu'il a changé en nous. On n'est pas né comme ça. Mais on a entendu la parole. La même manière que tu attends aujourd'hui. Si tu décides d'accepter cette parole, tu vas transformer ta vie. Il est sien aussi. Je suis avec nous. Elle s'est prostituée avant aussi. Elle portait des habits indécents. Mais aujourd'hui, quand tu les vois, la vie a changé. C'est Jésus qui transforme. C'est lui qui transforme la vie d'un individu. Simplement, si tu donnes ton cœur à Jésus, tu verras qu'il changera ta vie. Oui, tu veux arrêter certaines choses que tu n'arrives pas à le faire. Ce n'est pas par la force, ni par la volonté d'un homme, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Confie-toi à Jésus et tu verras ta situation changer. Tu verras ta situation changer. Jésus t'aime. Il t'appelle aujourd'hui. Tout le monde veut aller au paradis. Même le voleur veut aller au paradis. Même le menteur veut aller au paradis. Même la prostituée veut aller au paradis. Même ceux qui tuent l'homme veut aller au paradis. Au paradis, c'est pas un jeu. Le paradis, c'est pas un jeu. Où tout le monde va se promener. N'importe qui ne va pas au paradis. Mais c'est ceux-là qui mettent en parole, en pratique la parole de Dieu. Ceux-là qui mettent en pratique la parole de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu, il faut lire sa parole, la Bible. Pour que tu puisses savoir ce qu'il attend de toi. C'est un Dieu de sainteté et de justice. C'est un Dieu de sainteté et de justice. Tu ne peux pas voler et tu arrives devant le juge. Tu vas lui demander pardon, il va te laisser. Non. La sentence, c'est la prison. La sentence de Dieu, c'est le feu de l'enfer. Il ne veut pas que tu ailles dans ce feu. C'est pourquoi il t'appelle aujourd'hui à la repentance, à changer de comportement, à changer d'attitude, à orienter ta vision vers lui, à t'abandonner totalement dans sa main. Jésus est là pour toi aujourd'hui. Tu entends cette parole, n'en dissipe pas ton cœur. Tu entends cette parole, n'en dissipe pas ton cœur. Il est là pour toi. Ne regarde pas à ton voisinage. Ne regarde pas à ton frère. Ne regarde pas à ta soeur. Parce que lorsque tu es malade, lorsque tu es couché dans un hôpital, lorsque tu es agonisant, tu n'arrives pas à prendre soin de toi. Souvent même tes propres parents peuvent t'abandonner. Mais Jésus, c'est celui-là qui est auprès de toi. C'est Jésus qui est auprès de toi. C'est le moment d'ouvrir ton cœur à Jésus. Il t'aime tellement. Lorsqu'il te voit dans cette situation, il a mal. Il a mal. Parce que ce n'est pas le destin qu'il a voulu pour toi. Mais toi-même, tu as corrompu ce destin. Tu as corrompu ce destin par tes envies. Parce que tu as vu l'autre faire quelque chose, tu as voulu le faire aussi. Tu as vu ta camarade dans telle condition, tu as voulu le faire aussi. Et cela t'a entraîné dans une voie qui est préjudiciable pour ta vie. Change de comportement. Change de vie. Avec combien de garçons tu es sorti? Avec combien de garçons tu couches? Tu n'as pas une porte de bac où tout le monde vient ouvrir. Tu n'as pas une serpillère où tout le monde vient pour essuyer. Reviens à Jésus. Il t'aime tellement. À cause de l'argent,
sortis pas avec n'importe qui. T'as de distribuer ta bénédiction. Ils sont en train de prendre en toi ce qui est précieux. Ils sont en train de prendre en toi ce qui est précieux. Et tu ouvres la porte de ta bénédiction à tout le monde. Dans tous les chaînes d'hôtel, tu ouvres tes cuisses. Jésus t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Il a encore temps pour toi. Car on ne sait pas ce que demain est fait. Cette même nuit, il peut rappeler ton âme. Tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Laisse ton cœur à Jésus. Ne pense pas au monde. Regarde les oiseaux. Les oiseaux, ils ne sèment ni ne plantent. Mais chaque fois, Dieu prend soin d'eux. Tu t'abandonnes tout ce que le monde te propose. Tu abandonnes la vie de prostitution, la vie de Goéga. Et tu donnes ta vie à Jésus. Tu verras qu'il va changer ta vie. Il va changer ta vie de la même manière qu'il a changé ma vie. Il dit, si vous me cherchez d'un cœur pur et sincère, je me laisserai trouver par vous. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Il y a longtemps, tu t'es démerdé. Il y a longtemps, tu as voulu vivre comme tu vis. Mais quel est le résultat? Quel est le résultat aujourd'hui? Je sais que tu regrettes ta manière de vivre. Je sais que tu regrettes ta manière de vivre. Je sais que tu regrettes ta manière de vivre. C'est pourquoi il t'appelle aujourd'hui. C'est pourquoi il t'appelle aujourd'hui. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Jésus t'aime tellement. Jésus t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Qu'il a mal. Quand il a mal. Qu'il te voit. Qu'il veut te voir. Dans cet état. Dans ce cas. Change de vie. Change de vie. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Tu peux dormir. Tu peux dormir. Et ne pas pouvoir te réveiller. Ne pas te réveiller. Se réveiller. Se réveiller. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est un temps qui te donne. C'est un temps qui te donne. Pourquoi tu peux changer. Pourquoi puis-tu changer. De comportement. De comportement. De revenir à lui. De revenir à lui. Pourquoi tu puisses mourir. Tu puisses mourir. Dans ton péché. Dans ton péché. Dans ton péché. Dans ton péché. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il te tend la main. Il te tend la main. Reçois Jésus. Reçois à Jésus. Reçois Jésus. Il te tend la main. Il te tend la main. Il te tend la main. Reçois Jésus. Reçois à Jésus. Il te tend la main. Il te tend la main. Il t'aime tant. Il t'aime tant. Il a mal lorsqu'il te voit. Il a mal de te voir. Il est comme un père. Il est comme un père. Un père qui voit son enfant. Un père qui voit son enfant. Déraillé. Le coup de la vie. Le coup de la vie. Tu as fait des projets pour ton enfant. Tu as fait des projets pour ton enfant. Tu as voulu qu'il soit. Tu as voulu qu'il soit. Un bon fonctionnaire. Un bon fonctionnaire. Une personne stable dans la société. Une personne stable. Une personne stable. Dans la société. Dans la société. Mais lorsque tu vois ton enfant. Lorsque tu vois ton enfant. Et tu aimes tant. Et tu aimes tant. Bois de l'alcool. Bois de l'alcool. Il s'est prostitué. Il s'est prostitué. S'habiller de manière mauvaise. Il se plaque. Automatiquement. Automatiquement. Tu as mal en tant que père. 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 C'est comme ça que Jésus te voit. C'est comme ça que Jésus te voit. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Quand il te voit. Quand il te voit. De la dépravation. De la dépravation. De la dépravation. De la dépravation. Oh Jésus. Jésus. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Répands-toi. Il a besoin de toi. 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 Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Il t'aime tant. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il t'aime. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu penses que tu as le temps. Tu penses que tu as le temps. Mais laisse-moi te dire. Mais laisse-moi te dire. Le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Mais moi qui te parle aujourd'hui. Moi-même je te parle aujourd'hui. Je peux aller me coucher. Je peux aller me coucher. Et tu as plus à t'en parler de moi. Et tu as plus à t'en parler de moi. Mais quelle est la condition dans laquelle je suis monsieur en aller. Alléluia. Dans quelle condition je suis parti vers Dieu. Je me rappelle à quelle condition je suis parti vers Dieu.
Change de comportement. Change ton comportement. Change de vie. Change de vie. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Tu es une fille de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu entends cette parole. Tu entends cette parole. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il va changer ta vie. Il va changer ta vie. Souvent tu dors. Souvent tu dors. Et tu fais les rêves. Et tu fais les rêves. Des songes. Les songes. Où tu es poursuivi. Où tu es poursuivi. Où tu es tourmenté. Où tu es tourmenté. Est-ce que tes parents avec qui tu dors? Est-ce que les parents avec qui tu dors? Peut te soulager. Il peut te soulager. Il peut t'apporter. Il peut t'apporter la paix. Du repos. Du repos. Non. Non. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Plaît. Lorsque tu es troublé et que tu cries, et tu cries à Jésus, à Jésus, il intervient. Il intervient. Sache qu'il est plus proche de toi. Sache qu'il est plus proche de toi. Quelle la peau? Il recoupe les os. Il recoupe les os. Il t'appelle à la repentance. Change de vie. Donne ta vie à Jésus. Et donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Regarde, bien aimé, lorsque tu t'habilles, tu sors de la maison, tu ne demandes pas, est-ce que ma manière de t'habiller, ça te plaît? Toi, tu t'habilles pour plaire aux hommes. Bien aimé, je suis venu te dire, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ne vis pas pour plaire aux hommes. Ne vis pas pour plaire aux hommes. Je suis venu te dire. Je suis venu te dire. Jésus t'appelle à repentance. Jésus t'appelle à repentance. Jésus n'est pas dans les pantalons. Il n'est pas dans les pantalons. Jésus n'est pas dans les menus. Dans les menus. Bien-aimé. Bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. 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 Il t'appelle à repentance. Il n'est pas dans les make-up. Il t'appelle à repentance. Il n'est pas dans les make-up. Il n'est pas dans le fond de terre. Il n'est pas dans le fond de terre. Jésus t'aime naturellement. Il n'a pas besoin d'artifice sur toi. Alléluia. Change de comportement. Change ton comportement. Change de vie. Change de vie. Il t'aime tant. Il t'aime tant. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Tu es une servante de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Si tu nous vois aujourd'hui. Si tu nous vois aujourd'hui. C'est pour t'interpeller. C'est pour t'interpeller. Parce qu'il nous a mandaté. Parce qu'il nous a mandaté. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à lui. Il t'aime tant. Il t'aime toi. N'anticipe pas ton cœur. N'anticipe pas ton cœur. Viens à Jésus. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi. D'accepter Jésus. D'accepter Jésus. Parce que ce matin. Parce que ce matin. D'autres sont levés. D'autres se sont levés. Ils n'ont pas pu terminer la journée. Ils n'ont pas pu terminer la journée. La mort les a emportés. La mort les a emportés. C'est une grâce pour toi. C'est une grâce pour toi. De bénéficier. De la vie. De la vie. En ce jour. En ce jour. On va partir dormir. On va partir dormir. Beaucoup de choses vont se passer. Tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est le temps pour toi. C'est le temps pour toi. De regarder à Jésus. De regarder à Jésus. Donne ta vie. Donne ta vie à Jésus. Avant que tu sois. Avant que tu sois. Avant que tu sois. Avant que tu sois. Un poulet, un propriétaire. Un poulet, un propriétaire. Quand tu parles de propriétaire. Un poulet qui n'est pas propriétaire. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. N'importe qui. N'importe qui. Viens venir l'attraper. Il peut venir l'attraper à tout moment. Pour le tuer. Et pour le tuer. Je vais parler de Satan de Dieu. Alléluia. Je vais parler de Satan de Dieu. Confie ta vie à Jésus. Confie ta vie à Jésus. Il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend. Alléluia. Cette vie, c'est terre. Cette vie, c'est terre. Tout est vanité. Tout est vanité. Tout ce qui brille. Tout ce qui brille. N'est pas de l'or. N'est pas de l'or. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Tu vas retrouver. Tu vas retrouver. Une paix. Une paix. Que tu n'as jamais trouvé auparavant. Que tu n'as jamais trouvé auparavant. Viens avec Jésus. Viens avec Jésus. Ne t'occupe pas des autres. Ne t'occupe pas des autres. Je suis habillé comment? Je suis habillé comment? Je m'habille pas pour les autres. Je m'habille pas pour les autres. Mais je m'habille pour plaire à Jésus. Je m'habille pour plaire à Jésus. C'est que les gens pensent de moi. C'est que les gens pensent de moi. Ça, c'est pas mon problème. C'est pas ça qui est mon problème. Ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe. C'est ce que mon Dieu pense de moi. Ce qui mon Dieu a pas de moi. Ce que mon Dieu il attend de moi. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Le Dieu tout puissant. Le Dieu tout puissant. C'est lui qui nous a appelé aujourd'hui. C'est lui qui nous a appelé aujourd'hui. Allez. À vous parler. Béni soit l'Éternel des armées. Béni soit de Dieu. Le véritable. Le véritable. Le merveilleux. Le merveilleux. Le redoutable. Le redoutable. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Shalom, shalom.
Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et toi, ma soeur, pose-toi la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, ma soeur, pose-toi la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et toi, mon cœur, pose-toi la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et toi, voleur, pose-toi la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Shalom, bien-aimés. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien-aimés. Bien-aimés. Ce soit tout ce que vous avez entendu. Ce soit ce que vous avez entendu. Tout ce que vous entendez. Tout ce que vous entendez. Mais ce n'est pas pour vous juger. Bien-aimés, nous ne vous jugeons pas. Ce n'est pas pour vous condamner. Ce n'est pas pour vous condamner. Car bien-aimés. Car bien-aimés. Nous ne sommes rien pour vous condamner. Nous ne sommes personne. Bien-aimés. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. C'est dans sa parole. C'est dans sa parole. Ces choses pour venir vous parler. Bien-aimés, nous étions, la parole nous étions Seigneur aussi Jésus. Dans ces choses, bien-aimés. Nous étions aussi dans ces choses, bien-aimés. Bien-aimés. Dans le copinage. Dans le copinage. Dans Goéka. Dans Goéka. Bien-aimés. Bien-aimés. Dans les mèches. Dans les mèches. Bien-aimés. Nous étions aussi dedans. Nous étions dans ces choses. Bien-aimés. Bien-aimés. J'ai pris pour ma pour m'éclaircir. Bien-aimé, moi aussi, je me suis éclairci. Ça m'a rien apporté. Ça m'a rien donné. J'ai porté mèche. J'ai porté des mèches. Bien-aimé, pour séduire. Pour séduire. Ça m'a rien apporté. Ça m'a rien apporté. Bien-aimé. Bien-aimé. J'ai porté pantalon. J'ai porté des pantalons. J'ai porté des hauts talons. J'ai porté des talons. Bien-aimé. Bien-aimé. À cause des mèches. À cause des mèches. À cause des pantalons. À cause des pantalons. À cause des hauts talons. À cause des talons. À cause des produits cosmétiques. À cause des pommades. Bien-aimé. J'ai séduit des garçons. Bien-aimé, réponds-toi. Pour avoir de l'argent pour acheter ces choses. Bien-aimé, réponds-toi. Mais bien-aimé. Bien-aimé. Si tu vois qu'aujourd'hui. Aujourd'hui. Le Seigneur Jésus m'a enlevé dans ces choses. Le Seigneur Jésus m'a délivré de ces choses. Bien-aimé. C'est parce que si tu meurs dans ça. Si tu meurs dans ces choses. Si je mourrais dans ça. Si je mourrais dans ces choses. Je ne verrais pas le Seigneur Jésus. Je ne verrais pas le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus m'a fait grâce. Le Seigneur Jésus m'a fait grâce. Je suis sorti dans ces choses. Je suis sorti de ces choses. Bien-aimé. Bien-aimé. Cela ne glorifie pas le Seigneur Jésus. Ça ne glorifie pas le Seigneur Jésus. Je ne peux pas avoir garde. Bien-aimé, je ne peux pas avoir égard. Je ne peux pas porter mèche. Je ne peux pas porter mèche. Je ne peux pas porter haut talon. Je ne peux pas porter des talons. Bien-aimé. Et puis tu vas aller à l'église dimanche. Et tu es à l'église. Tu vas dire que Jésus soit loué dans la vérité. Et tu vas dire que le Seigneur Jésus soit loué dans la vérité. Bien-aimé. Bien-aimé. On n'adore pas Jésus dans le mensonge. On n'adore pas Jésus dans le mensonge. Tu vas dire j'ai le Saint-Esprit. Tu vas dire j'ai le Saint-Esprit. Avec mes mèches. Avec mes mèches. J'ai mon intimité avec Jésus. J'ai mon intimité avec Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. Fléchis genoux. Fléchis genoux. Dis Jésus. Demande au Seigneur. Si je meurs. Si je meurs. Dans mes mèches. Dans mes mèches. Est-ce que je vais te voir? Est-ce que je verrai ta face? Bien-aimé. Bien-aimé. Demande ça au Seigneur Jésus. Oh, demande cela au Seigneur Jésus. Car bien-aimé, ces choses ne glorifient pas le ces Seigneur. Ces choses ne glorifient pas le Seigneur Jésus. Toi qui es là, bien-aimé, tu es présent. Toi, garçon. Garçon. Toi, femme. Mon frère, ma soeur. Tu dis. Toi, femme, tu dis que garçon ne te suffit pas. Tu dis que garçon ne te séduit pas. Tu dis que quand tu vas avec un homme, ça ne t'arrange pas. Quand tu vas avec un homme, ça ne t'arrange pas. Mais tu préfères aller avec ta soeur femme. Mais tu préfères aller avec ta soeur femme. Bien-aimé. Bien-aimé. Sors dans ça. Sors de cela. Si tu meurs dans ça. Si tu meurs dans l'homosexualité. Tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. Si tu meurs. Si tu meurs. En tant que. En tant que. Lesbienne. Lesbienne. Tu ne verras pas Jésus.
Jésus. Tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Si tu meurs en tant que bébé, en tant que bébé, tu ne verras pas Jésus. Tu ne verras pas Jésus. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Toi qui es encore. Tu es présent. Donc, copain-copine. Tu es encore dans copinage. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Car si tu meurs dans ça, si tu meurs dans le confinement, tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Viens mettre ton âme en danger. Viens mettre ton âme en danger. Tu es dans ces choses. Bien aimé, tu es dans ces choses. Sors dans ça. Sors de ces choses. Sors de ces choses. Sors du copinage. Bien aimé, si tu dis ceux-là, ils sont fous. Ceux-là, ils sont en exil. Tu dis ce qu'ils sont en exil. Est-ce que c'est de la part de Jésus? Est-ce que c'est de la part du Seigneur Jésus? Bien aimé, tu as un Dieu qui parle. Bien aimé, le Seigneur Jésus parle. Tu as un Dieu qui parle. Le Seigneur Jésus parle. Bien aimé, fléchis genoux. Oh, demande au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur Jésus. Bien aimé. Bien aimé. Et si je meurs dans ça. Si je meurs dans les mèches. Est-ce que. Je vais aller au royaume des cieux. Est-ce que je verrai ta face? Bien aimé, demande au Seigneur. Demande au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur Jésus. Si je meurs dans ton mèche. Bien aimé, car les temps sont finis. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance ce soir. Toi qui dis que l'affaire de Jésus ne me concerne pas. Tu dis Jésus, l'affaire de Jésus ne me concerne pas. Bien aimé. Jésus est venu pour l'humanité. Jésus est venu pour l'humanité. Bien aimé. Il n'y a pas ton monde en bas. Bien-aimé, il n'y a pas ton monde à part. Il n'y a pas monde des chrétiens à part. Il n'y a pas monde des chrétiens à part. Il n'y a pas monde des musulmans à part. Il n'y a pas monde des musulmans à part. Il n'y a pas monde des bouddhistes à part. Il n'y a pas monde des bouddhistes à part. Bien-aimé. C'est dans le même monde que nous vivons. C'est dans le même monde que nous vivons. C'est pour toi que Jésus est mort. C'est pour toi que Jésus s'est livré à la croix. C'est pour toi que Jésus a été percé. C'est pour toi que Jésus a été frappé. C'est pour toi que Jésus a été humilié. C'est pour toi que Jésus a été maltraité. Bien-aimé, réponds-toi. Et donne ta vie à Jésus. Et donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, réponds-toi. Et donne ta vie à Jésus. Et reviens au Seigneur Jésus. Toi qui dis. Tu dis encore. Moi, j'ai mon prophète. Moi, j'ai mon prophète. Toi qui dis. Tu dis. Que j'ai mon prophète. J'ai mon prophète. Bien-aimé. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Ton prophète n'est pas ton prophète à la croix. Ton prophète ne peut pas te sauver. Bien-aimé. Ton prophète n'a pas fait ce sacrifice que Jésus a ton fait. Ton prophète ne s'est pas sacrifié pour ton toi. Ton prophète, bien-aimé, ne s'est pas dépouillé de sa gloire pour descendre sous forme de serviteur. Ton daddy ne s'est pas donné à la croix pour toi. Bien-aimé, mourir pour toi. Ton daddy ne s'est pas donné à la croix pour toi. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. C'est Jésus qui s'est donné pour toi, bien-aimé. Bien-aimé, c'est Jésus qui s'est donné pour toi. C'est Jésus qui te donne la vie éternelle. Bien-aimé, bien-aimé, hier soir tu allais te coucher. Bien-aimé, ce matin tu t'es réveillé en bonne santé. Ce matin tu t'es réveillé en bonne santé. C'est pas parce que tu es mieux que ceux qui sont morts. C'est pas parce que tu es mieux que ceux qui sont à la mort. Tu n'es pas mieux que ceux qui sont morts. C'est pas parce que tu es mieux que ceux qui sont à l'hôpital. C'est pas parce que tu es mieux que ceux qui viennent d'avoir l'accident. Réponds-toi, bien-aimé. Mais bien-aimé, c'est pas la grâce de Jésus. Réponds-toi, bien-aimé. Le Seigneur Jésus te donne encore le temps de te repentir. Le Seigneur encore te fait la grâce. Je donne le temps aux méchants de se repentir. Bien-aimé, réponds-toi de tes péchés. Bien-aimé, réponds-toi du péché. Bien-aimé, réponds-toi d'idolâtrie. Réponds-toi de l'idolâtrie. Toi qui te prosternes encore. Tu te prosternes encore. Devant des statues. Devant des statues. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Car ce n'est pas la statue là qui va te sauver. Bien-aimé, la statue ne peut pas te sauver. Bien-aimé, quand on dit on vient attaquer. Quand on te dit. Dit, tu es en danger. Les gens viennent après toi. Les gens viennent te tuer. Bien-aimé, c'est ton Dieu qui te garde. C'est ton Dieu qui te protège. Et non toi qui protèges ton Dieu. Et non toi. Bien-aimé. On vient casser ta maison. On vient casser ta maison. Tu es en train de courir. Tu es en train de mourir. Tu prends ton Dieu là. Tu prends ton Dieu. Tu mets sur ton épaule. Tu mets sur ton épaule. Et tu cours. Et tu cours.
Bien-aimé, c'est quel Dieu on peut porter? C'est quel Dieu on peut porter? C'est quel Dieu on peut porter? C'est ton Dieu qui doit te sauver ou c'est toi qui dois sauver ton Dieu? Ce n'est pas ce Jésus que je connais. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, c'est Jésus que moi je connais. Jésus que je connais. C'est lui qui vient à ton secours. Le véritable Dieu. C'est lui qui te porte. C'est lui qui te sauve. Et non toi qui le portes. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. 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 Réponds-toi, bien-aimé. Les temps sont finis, bien-aimé. Les temps sont finis. Mets-le en ta vie. Mets-le dans ta vie. Mets-le en ta vie, bien-aimé. Mets-le dans ta vie. Tu es encore là. Tu es encore là. Et tu cours derrière l'argent. Et tu cours derrière l'argent. Depuis des années. Depuis des années. Tu cours derrière l'argent. Tu cours derrière l'argent. Tu cours derrière la gloire de ce monde. Tu cours derrière la gloire de ce monde. Et tu ne t'assois même pas une seconde pour te demander si je meurs aujourd'hui. Si je meurs aujourd'hui. C'est l'argent. C'est l'argent. Ce qui t'importe. Ce qui t'importe. C'est la gloire de ce monde. C'est la gloire de ce monde. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Que ces choses sont passagères. Ces choses sont passagères. Ces choses sont vanité. Bien-aimé, vanité. Bien-aimé, l'argent que tu es en train d'amasser. L'argent. Et tu n'as pas le temps de prier. Réponds-toi. Tu n'as pas le temps de chercher. Réponds-toi. Le véritable Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé, le jour que tu vas mourir, cet argent ne peut pas t'ouvrir le royaume des cieux. Bien-aimé, cet argent ne peut rien faire pour toi. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Et cherche le véritable Et Dieu. Cherche le véritable. Cherche le véritable Dieu. Tu es encore derrière les cailloux. Tu es encore chez les féticheurs. Tu es encore chez les féticheurs. Tu es encore chez les marabouts. Tu es encore chez les marabouts. Bien-aimé, le marabout ne peut pas te sauver. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, le marabout, c'est un homme comme toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, le féticheur, c'est un homme comme toi. Ma bien-aimé, réponds-toi. Pourquoi tu mets ta confiance au féticheur? Bien-aimé, réponds-toi. Pourquoi tu mets ta confiance au marabout? Pourquoi tu mets ta confiance en Dieu? Bien-aimé, mets ta confiance à Jésus. Mets ta confiance à Jésus. Jésus seul qui peut te sauver. Jésus seul peut te sauver. Bien-aimé, c'est quand tu cherches le marabout. C'est quand tu cherches le marabout. Jésus peut te donner. Jésus peut te donner. Bien-aimé, reviens au Seigneur Jésus. Bien-aimé, reviens. Arrête d'endurcir ton cœur. Ma bien-aimé, arrête d'endurcir ton cœur. Arrête d'endurcir ton cœur. Arrête d'endurcir ton cœur. Tu sais que Jésus est la vérité. Tu sais que Jésus est la vérité. Tu sais que Jésus est le chemin. Tu sais que Jésus est le chemin. Tu sais que Jésus peut te donner la vie. Tu sais que Jésus peut te donner la vie. Mais à cause de la gloire de ce monde. À cause des vanités de ce monde. Tu endurcis ton cœur. Tu endurcis ton cœur. Tu endurcis ton cœur. Tu endurcis ton cœur. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Ma bien-aimé, laisse-moi te dire. Que l'enfer existe. Que l'enfer est réel. L'enfer existe, bien-aimé. L'enfer est réel. L'enfer existe. L'enfer est réel. Bien-aimé, cherche à éviter l'enfer. Bien-aimé. Évite l'enfer. Évite l'enfer. En sortant du péché. En sortant du péché. Évite l'enfer. Évite l'enfer. En sortant de la masturbation. En sortant de la masturbation. Bien-aimé, tu es dans masturbation. Bien-aimé, tu es dans Oko. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Bien-aimé, réponds-toi. Ah, bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, tu es dans le drum. Dans la drogue. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Tu es assis au palais. Tu es esclave de palais. Oh, réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Tu es assis dans ma quille. Tu es assis dans le bar. Bien-aimé. Ma bien-aimée. Tu dis que je vis la belle vie. Tu dis tu vis la belle vie. Tu dis que je suis à l'aise. Tu dis tu es à l'aise. Mais laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu meurs dans cette vie. Si tu meurs dans cette vie. Bien-aimé, ton âme va périr. Ton âme va périr. Ton âme ne verra pas le Seigneur ton Jésus. Ton âme ne verra pas Dieu. Alors, si tu ne crois pas Jésus. Bien-aimé, c'est Satan. Et Satan, c'est l'enfer. Satan, c'est l'enfer. Bien-aimé, Satan, c'est l'enfer. Bien-aimé, Satan, c'est la perdition. Oh, bien-aimé, le Seigneur t'a réveillé ce matin. Bien-aimé, le Seigneur te parle ce soir. Il t'a réveillé ce matin. Bien-aimé, c'est pour te parler qu'il t'a réveillé. C'est pour te parler, bien-aimé. C'est l'argent que tu as cherché hier. L'argent que tu as cherché. Qui t'a réveillé ce matin. C'est pas ça qui t'a réveillé. Bien-aimé. L'argent que tu as cherché hier, c'est pas cette personne qui t'a réveillé matin là. L'argent que tu cherches, c'est pas ça qui te réveille. C'est le Seigneur Jésus qui t'a réveillé ce matin. C'est la gloire du Seigneur Jésus. Parce qu'il voulait te parler. Quand il voulait te sauver. Quand il veut te faire éviter l'enfer. Bien-aimé, il veut te sauver. Regarde, plusieurs personnes sont mortes hier nuit. Plusieurs personnes sont mortes. Plusieurs personnes sont mortes matin là. Plusieurs personnes sont mortes. Alors nous parlons, mais les gens sont en train de mourir. Abattant, travail, sont morts. Bien-aimé, mais toi, le Seigneur est en train de te parler. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as donné au Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Reviens au Seigneur Jésus. Bien-aimé, réponds Jésus. Reviens au Seigneur Jésus. Bien-aimé, reviens Jésus. À part Jésus, bien-aimé, il n'y a pas autre chemin. À part Jésus, il n'y a pas de réponse d'appel. À part Jésus, il n'y a pas autre chemin. Bien-aimé, à part Jésus, il n'y a pas de réponse d'appel. Il n'y a pas de chemin qui peut t'amener au paradis. Il n'y a pas de repos, bien-aimé.
sauver. Bien-aimé, les cailloux ne peuvent pas te sauver. Bien-aimé, l'eau que tu adores ne peut pas te sauver. Bien-aimé, l'eau ne peut pas te sauver. Bien-aimé, celui qui peut te sauver, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui peut te sauver, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut te sauver. C'est celui-là, le chemin, la vérité. Gris-gris ne peut pas te sauver. Bien-aimé, gris-gris ne t'aura pas. Bien-aimé, les bagues qui sont sur ton doigt ne peuvent pas te sauver. Les bagues de protection ne peuvent rien faire pour toi. Bien-aimé, c'est fait, c'est du fait. Bien-aimé, c'est du médaille. Quelque chose qui peut te sauver, comment toi tu peux transporter cela? Question. Dieu qui peut te sauver là, toi tu transportes ce Dieu. C'est le Dieu, ton Dieu qui doit te transporter ou c'est toi qui dois transporter ton Dieu? Bien-aimé, c'est le mensonge du diable. Bien-aimé, réponds-toi. C'est la tromperie. Tu te poissonnes encore devant les objets. Tu te poissonnes encore devant les objets. Des bois taillés. Des bois taillés. Bien-aimé. Bien-aimé. Laisse-moi te poser la question. Laisse-moi te poser une question. Le sac à main que tu as là. Le sac à main que tu as. Est-ce que tu peux prendre? Est-ce que tu peux prendre? Déposer tes prosternés pour dire c'est mon Dieu. Depuis que je suis né devant pour dire c'est Dieu. Ton sac à main, est-ce que tu peux te prosterner devant lui? Bien-aimé, est-ce que tu peux te prosterner devant lui? Mais toi, tu te prosternes devant les bois taillés. Tu te prosternes devant les bois taillés. Devant les cailloux taillés. Devant les pierres taillées. Devant les statues. Devant les statues. Bien-aimé, laisse-moi te dire c'est la même chose. Ah, bien-aimé, c'est la même chose. Le sac à main que tu as. Le sac à main que tu as. Le téléphone que tu as. Le téléphone que tu as. Bien-aimé, c'est la même chose que bois qui est chez toi à la maison que tu adores. C'est la même chose que ce bien-aimé, que tu adores. C'est la même chose. Ma bien-aimé, réponds-toi. 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 Mets de l'eau dans ta fille. 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 Toi encore, tu es chez Marabout en train de passer Marie des soeurs. Toi, tu te passes ce cœur. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est Marabout. En train de passer Marie des gens. Tu es chez les fétichés en train de faire mon monde. Bien-aimé, si tu meurs dans cela. Bien-aimé, si tu meurs dans cela. Si tu meurs dans ces choses. Si tu meurs dans ces choses. Tu ne pourras pas le Seigneur Jésus. Tu ne pourras pas le Seigneur Jésus. Réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi du mensonge. Les chats sont finis. Réponds-toi du mensonge. Réponds-toi du mensonge. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand te vois, tu es belle. D'après toi, tu es belle. Tu dis, tu es belle. Tu es jolie. Selon le monde, tu es jolie. Bien-aimé, tout est mensonge. Tout est mensonge. Tout est mensonge. Tout est mensonge. Bien-aimé, je ne te juge pas. Bien-aimé, c'est pas juste. Quand ces choses, moi-même, je les faisais. Quand nous aussi, on les tient. Bien-aimé, je me tassais aussi. Bien-aimé, je faisais la tête. Bien-aimé, j'étais devenu métisse. Bien-aimé, je voulais. Je mangeais au sang. Je mangeais. Bien-aimé, j'avais les cheveux jaunes. J'avais les cheveux jaunes. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Toi qui as quoi dans tes choses? Toi qui as quoi dans ces laisse-moi choses? Te dire que c'est le mensonge. Laisse-moi te dire que c'est le mensonge. Tu dis non, que toi tu mens pas quand tu demandes, tu dis la vérité. Tu dis que tu ne mens pas. Mais bien-aimé, par ton tête, tu es en train de nous mentir. Par ton tête, tu es en train de par la couleur de tes cheveux, tu nous mens. Par la couleur des cheveux. Mais le Seigneur t'a créé avec les cheveux noirs. Le Seigneur t'a créé avec les cheveux. Et aujourd'hui, tu as les cheveux jaunes. Aujourd'hui, tu as les cheveux violets. Aujourd'hui, tu as les cheveux rouges. Bien-aimé, c'est le mensonge. Le si tu mets dans le mensonge, tu mets dans le mensonge. Tu ne verras pas Jésus. Tu ne verras pas Jésus. Tu ne verras pas Jésus. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Toi, tu comptes sur l'amour du Seigneur Jésus. Toi, tu comptes sur l'amour du Seigneur Jésus. Et tu endurcis ton cœur. Et tu endurcis ton cœur. Tu dis Jésus est amour. Tu dis Jésus amour. Tu dis Dieu est amour. Il est amour. Mais si je vis dans le péché, si je vis dans le péché, si je vais mourir, je vais demander pardon. Si je vais mourir, je vais demander pardon. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Quand la mort vient comme un voleur, la mort ne te bien-aimé, la mort ne va pas te prévenir. Il va pas te dire coco. Bien-aimé, la mort ne va pas te prévenir. Il va pas te dire plus de bagages. Réponds-toi, bien-aimé. Bien-aimé, réponds-toi. 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 L'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Il veut t'inviter l'enfer. Il veut que tu aies c'est pourquoi il te parle ce soir. Bien-aimé, c'est pourquoi il te parle ce soir. C'est pourquoi il te parle ce soir. C'est pourquoi il te parle ce soir. Personne n'aura d'excuse devant sa face. Bien-aimé, il y a pas d'excuse devant toi. Bien-aimé, tu ne vas pas dire. Je n'ai jamais entendu parler. Tu ne vas même pas dire. Tu n'as jamais dit, Seigneur, je n'ai jamais entendu que tu es toi le véritable Dieu. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Mets de l'eau dans ta fille. 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 Tu n'as pas ton propre. Bien, ne prends pas une dose. Tu n'es pas à l'aise. Tant que tu ne prends pas une dose, tu n'es pas à l'aise. Tant que tu ne prends pas une dose, tu n'es pas à l'aise. Bien aimé, tu es en train de te détruire. Bien aimé, tu es en train de te détruire. Le Seigneur dit ton corps est son temple. Le Seigneur dit ton corps est son temple. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est le temple du Saint-Esprit. Mais laisse-moi te poser la question. Laisse-moi te poser. Avec quoi
tu souilles le temps du Saint-Esprit? Avec quoi tu souilles le temps du Saint-Esprit? Avec quoi, bien-aimé? Avec quoi? Avec la drogue. Avec la drogue. Ou avec la cigarette? Ou avec la cigarette. Avec la faute. Avec la faute. Ou avec la liqueur forte. Avec la liqueur forte. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi du palais. Répands-toi du faute. Répands-toi du palais. Bien-aimé, ces gens te conduisent en enfer. Bien-aimé, ça conduit en enfer. Bien-aimé, ces gens te conduisent en enfer. La pape est prête. Bien-aimé, ne te juge pas. Bien-aimé, repends-toi. Bien-aimé, ne te juge pas. Bien-aimé, c'est mes jugements. Je préfère te dire la vérité. Bien-aimé. Aujourd'hui. C'est mieux que ton âme va en enfer. C'est mieux que tu périsses, bien-aimé. Bien-aimé, c'est mieux de te dire la vérité. C'est mieux de te dire la vérité. Bien-aimé, je ne vais pas te dire, tu viens à Jésus, tu vas te marier. Non, il n'y a pas mariage. Je ne vais pas te dire, viens à Jésus, et tu auras toute la gloire de ce monde. Bien-aimé, on ne va pas te dire, viens à Jésus. Je ne peux pas te dire cela. Bien-aimé, c'est que je peux te dire. Viens à Jésus, et tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Quand il est venu. Mais qui te croit en lui est la vie éternelle. Est la vie éternelle. Il n'est pas venu pour que toi. Il n'est pas venu pour que toi. Que tu maries blanc. Tu maries blanc. Il n'est pas venu pour que tu passes aux États-Unis. Il n'est pas venu pour que il est venu se livrer à la croix. Il est venu se livrer à la croix. Pour que tu aies la vie éternelle. Tu aies la vie éternelle. Répands-toi, bien-aimé. Toi, Jésus. Tous les jours, le Seigneur te parle et tu entends. Chaque jour, le Seigneur t'a fait. Le Seigneur te parle et tu entends. Le Seigneur t'a fait. Mais tu endurcis ton cœur. Bien-aimé. Tu dis, je ne suis pas encore prêt. Accepte le Seigneur. Tu dis, je ne suis pas encore prêt. Accepte le Seigneur. Tu dis, je suis encore jeune. Accepte le Seigneur. Quand je vais vieillir, je vais accepter Jésus. Bien-aimé, qui t'a dit que tu vas vieillir? Qui t'a dit que tu vas vieillir? Toi qui dis. Quand tu vas vieillir, tu vas accepter Jésus. Si tu vieillis, tu vas accepter Jésus. Qui t'a dit que tu vas vieillir? Qui t'a dit que tu vas vieillir? Il y a les enfants de 5 ans qui meurent. Il y a les enfants de 5 ans qui meurent. Il y a les gens de 15 ans qui meurent. Il y a 15 ans qui meurent. Il y a les gens de 10 ans qui meurent. Il y a 10 ans qui meurent. Mais toi, on te parle aujourd'hui. Toi, on te parle aujourd'hui. Tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Mais tu dis non, quand je vais vieillir. Tu dis que tu vas vieillir. Bien-aimé, il y a la mort de toi. Bien-aimé, il y a la mort. Répands-toi. 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 Les temps sont finis. Les temps sont finis. Mets-le dans ta vie, bien-aimé. Dans ta vie. Mets-le dans ta vie, bien-aimé. Jésus s'est donné pour toi. Jésus s'est donné. Tu lui as rien donné, bien-aimé. Regarde ce qu'il a supporté. Il a supporté. Même tes parents ne peuvent pas supporter ce que ta mère ne peut faire. Bien-aimé, les coups qu'il a supporté. L'humiliation qu'il a supporté. Personne ne peut supporter ce que personne ne peut faire. Mais Jésus l'a fait pour toi. 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 Bien-aimé, c'est le moment de venir au Seigneur Jésus. C'est le moment de venir au Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Et Jésus te parle aujourd'hui. Tu ne sais même pas si demain tu vas mourir. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Il te tend la main, bien-aimé. Non, tu ne suis pas ton cœur. Non, tu ne suis pas ton cœur, bien-aimé. Toi qui ne crois pas que Jésus est Dieu. Bien-aimé, Jésus il a des oreilles. Jésus a des yeux. Jésus a une bouche et il parle. Bien-aimé, toi qui ne crois pas. Bien-aimé, toi qui ne crois pas. Oh, va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Et prosterne-toi. Et prépare-toi pour te reprendre. Appelle Jésus, va te reprendre. Jésus, va te reprendre. Mais si tu n'es pas chrétien. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, tu es bouddhiste. Bien-aimé. On apparaît aujourd'hui. Et tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Bien-aimé, va dans ta chambre. Bien-aimé. Et prépare-toi. Tu es sur la croix, tout ce qui te donne la vie. On l'a cloué, cloué sur la croix. Tout cela pour se donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. J'ai dit, on l'a percé, percé sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On a craché, craché sur son visage. Pour cela, pour me donner la vie. Oh, il t'a tant aimé, il t'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Christ t'a tant aimé, mon frère, il t'a sauvé. Il t'a tant aimé, il t'a sauvé. On l'a percé, percé sur la croix. Tout cela pour donner la vie. On l'a cloué, cloué sur la croix. Tout cela pour te donner la vie. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes le réveil international, Jésus revient. Et nous avons pris la peine ce soir d'étaler ce qu'on appelle la sainte doctrine.
Nous allons prier ce soir l'appel, comme la parole de Dieu le déclare, de parler ce qu'on appelle l'évangile éternel, de parler de la part du Seigneur, d'exposer ce que Dieu aime et d'exposer ce que Dieu n'aime pas. Bien-aimé, sache que il viendra un temps où l'Église sera déjà enlevée. Sache qu'il viendra un temps où cet évangile ne sera plus prêché. Il viendra un temps où ce sera encore accepter Jésus et mourir dans les difficultés ou encore abandonner la main de Dieu. Ce soir, nous espérons que cet évangile que nous avons prêché, que la parole de Dieu que nous avons annoncée est tombée dans notre terre fertile. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que sa grâce ne cesse de surabonder sur toi. Que le Seigneur, encore une fois de plus, ne cesse de bénir encore vos entreprises, ne cesse de bénir encore vos projets, ne cesse de bénir encore tout ce qui est à vous. Et que réellement, une fois de plus un jour, nous espérons vous voir, nous espérons voir un frère, voir une soeur, si tel frère était en train de parler dans la rue. Et c'est son témoignage qui m'a touché. Et c'est l'évangile qui me donnait, qui m'a touché. Et aujourd'hui, moi aussi je prêche dans la rue. Aujourd'hui, moi aussi j'annonce l'évangile. Aujourd'hui, moi aussi j'ai abandonné le péché. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous laissons bien aimer les numéros pour que tu puisses encore appeler. Si tu as des questions, si tu as des préoccupations, bien aimé, nous avons aussi annoncé l'évangile. Tu as un problème. Nous avons annoncé la parole de Dieu. Tu es là. La Bible déclare que l'évangile que nous annonçons ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi en puissance. Tu as une maladie depuis un bon nombre de temps qui te fatigue. Tu as des couches de nuit. Tu as des esprits qui te fatiguent. En dehors de la sanctification et de la sainteté que nous prêchons, sache que le Seigneur Jésus est le Dieu de puissance qui libère, qui délivre. Viens, nous allons prier pour toi. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te délivrer. Ce soir, tu peux venir. Ce soir, tu peux venir. Bien-aimé, tu vas voir la puissance de Jésus qui se cache derrière la sainteté, qui n'a rien à voir avec l'évangile maquillé, qui n'a rien à voir avec l'évangile voilé, avec l'évangile de prospérité où la puissance de Dieu est limitée. Bien-aimé, le numéro, c'est le 07 79 66 36 99. Bien-aimés, nous répétons pour les frères et les sœurs qui aimeraient prendre le numéro, c'est le 07 le 79 le 66 le 36 et le 99. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.